Je passe. J'aime voyager avec style. C'est la seule façon de le faire. Youpi, c'est l'heure du cours. Je ferais mieux de verrouiller ma trottinette. On ne peut jamais être trop prudent. Une minute, qu'est-ce que c'est? They see me rolling. This is my ride. Qu'est-ce que t'en penses? Regarde ça. Donne-moi juste un moment. C'est ça. Arrête, arrête. C'est hors de contrôle. Donc c'est comme ça que ça se termine. Ah! Ça va être serré. C'est fini? T'es folle! T'aurais pu me blesser! T'es si énervante! Oups! Mon volant! Je vais le prendre avec moi! Chalalalala! J'adore cette chanson! Mais la classe est sur le point de commencer! Y a quelque chose qui va pas? Salut voisine! Comment ça va? Bien! Pourquoi elle me parle? J'ai des écouteurs! Plutôt sympa, non? Fais comme si t'avais rien vu! Avec des fils? Waouh! Tant pis, il fonctionne quand même. Peu importe, regardez ça. C'est le dernier modèle. Jalouse? Non, pas vraiment. Eh bien, peut-être un peu. Attends, qu'est-ce qu'il y a dans la poubelle? C'est un morceau de carton? Ça me donne une idée. Je dois juste faire quelques ajustements. Qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Pas possible! Le clavier est prêt. Maintenant, j'ai besoin d'un écran. Cette impression fera l'affaire. Maintenant, j'ai un ordinateur portable. Qui est jalouse maintenant? T'es tellement tragique. Il te manque quelque chose. C'est ce qui fait la différence. Ah, je vais régler ça. Moi aussi, j'ai une pomme. Je vais la placer sur le carton et la coller à sa place. Je ne veux pas qu'elle tombe. Ça devrait aller. Tu veux voir? T'as vraiment fait ça? C'est hilarant. Peu importe, je suis satisfaite du résultat. C'est l'essentiel. Oh, je suis épuisée. Je dois me rafraîchir. Majordome? Votre ventilateur doré, madame. Permettez-moi. Une brise fraîche juste pour vous. Ah, c'est bon. Waouh, c'est ce dont j'ai besoin. Je peux utiliser ce carton. Ah, beaucoup mieux. Tu le fais manuellement? Je ne me salis jamais les mains. C'est ça, alors? Je vais te montrer. T'as raison, ça fait du bien. Est-ce que tu viens de voler ma brise fraîche? Ce ventilateur est à moi. Ah, j'adore ça. Oh, ne fais pas ça. Je le veux. Arrête de faire ça. Pointe-le dans cette direction. Jamais. Comment ça va, la classe? Oh, je commence à avoir la tête qui tourne. Arrêtez. Elle a commencé. Il n'y a qu'une seule chose à faire. Je peux pas regarder. Est-ce que c'est sûr? Qu'est-ce qu'elle fait? Je dois vous montrer quelque chose. Regardez ça. Je vais poser ma combinaison sur le ventilateur. Prenez une jambe chacune. Je suis si confuse. J'ai aucune idée de ce qui se passe. Patientez. Je vais allumer le ventilateur. Regardez-le partir. Wow, c'est incroyable. C'est génial. Ah, oh, finissons-en avec ça. J'ai prévu une virée shopping. J'ai besoin d'un encas rapide. Ce brownie fera l'affaire. Regardez-moi cette douceur chocolatée. Mmm, délicieux. J'avais besoin de ça. Et je peux utiliser ce papier pour la classe. D'accord. Je ferais mieux de prendre un crayon. Attends un peu. Je peux pas utiliser ça. Regarde-le. Il est minuscule. C'est ridicule. Qu'est-ce que je vais faire? C'est ton crayon? C'est embarrassant. J'ai fait personnaliser ces crayons à Paris. Waouh, je peux en avoir un? Tu veux un de mes crayons? Absolument pas. Oh, t'es tellement méchante. C'est la vie. J'en ai fini avec ça. Attends. Ça me donne une idée. Je vais prendre ça. J'aime cette boisson gazeuse. Il reste peut-être quelque chose. C'est quoi ce bruit? Oh, maintenant j'ai tout vu. Il est temps de se mettre au travail. Je pose la paille sur la table. Je place un crayon à une extrémité et l'autre crayon à cette extrémité. C'est la taille parfaite. Maintenant, j'ai un nouveau crayon. Essayons-le. Il fonctionne. Est-ce que t'es sérieuse? On ne me verra jamais avec ça. Quel crayon je devrais utiliser? Celui-là. C'est le jour du test et c'est une zone sans téléphone. Arrête! Ne fais pas un pas de plus. Tu ferais mieux de ne pas avoir de téléphone. Attendez, donc c'est sérieux? Je reviens tout de suite.
Quoi? Qu'est-ce qui vient de se passer? C'était bizarre. Je peux pas la laisser prendre mon téléphone. Et qu'est-ce que je vais faire? Allez, réfléchis. Hein? Qu'est-ce que c'est? C'est une boîte de crayons. Je sais quoi faire. Je suis un génie. Je vais enlever les crayons. Je veux faire de la place pour le téléphone. Je vais retirer les crayons du milieu. Ça devrait aller. Maintenant, j'ai besoin de mon couteau. Je vais faire une coupure dans la boîte. Elle doit être de la même taille que le téléphone. Je veux faire un rabat, comme ça. Je mets mon téléphone à l'intérieur. Puis, je referme le rabat. Personne ne le saura jamais. D'accord, allons-y. Je suis de retour. Est-ce que je peux entrer dans la classe? Nous verrons bien. Je dois te scanner. C'est vraiment nécessaire? J'ai rien avec moi, vraiment. Rien? T'es pas en train d'être sournoise, n'est-ce pas? Je n'oserais pas. Vous êtes plutôt intense. D'accord, tu peux passer. Oh, je savais que ça marcherait. Qui est le suivant? J'ai réussi. Je pense que la voie est libre. Je peux sortir mon téléphone. J'ai toutes les réponses dessus. Je vais certainement avoir un A. Je ferais mieux d'agir naturellement. Qu'est-ce que c'est? Vous vous moquez de moi? Je peux entrer? Aucun téléphone n'est autorisé. Ok. Oh, prenez-le, je suis trop occupée pour ça. Oh, c'était facile. J'arrive pas à croire à cette règle. Heureusement, j'ai un nouveau téléphone. L'autre était vieux de 3 mois. Il était de toute façon temps de le remplacer. Celui-ci est bien meilleur. La prof m'a rendu un service. Il est temps de faire des achats en ligne. Étire-toi. Sens tes muscles travailler. Oh, on est obligé de faire ça. Stop, transpirons un peu. Je déteste ça. Il faut souffrir pour être belle. Je veux pas être belle. J'ai une idée. Peut-être que ça va te motiver. Du chocolat? Marché conclu. Ne t'arrête pas. Lâche prise. Attends. Délicieux. Désolée pour ça. J'en ai assez. Il nous faut une approche différente. Ça pourrait marcher. Hein? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce que tu en penses? Regarde ce sable doré. Wow, je vais aller là-bas. Allons-y. Je dois être prête pour la plage. Ouf, ça marche. Je reviendrai plus tard. Il faut que je continue. C'est tellement drôle. Prête à commencer? Ce sera amusant. Je ne pense pas, non. J'ai des choses plus importantes à faire. Selfie! Allez, tu vas aimer. Vous n'allez pas me laisser tranquille, hein? Donnez-moi simplement les poids. Burk, dégoûtant! Vous voulez que j'utilise ça? Regardez-les! Ils sont dégoûtants! Je vais pas toucher à ça. Allô, j'ai besoin de votre aide. Maintenant, j'attends. Laissez-moi les voir. Okay. C'est beaucoup mieux. Je dois avoir l'air bien lorsque je m'entraîne. Ouais, c'est ça. Je suis mignonne. Non mais vraiment? Hé, arrête ça. Ne me force pas à utiliser le sifflet. Ah! Ne faites pas ça. D'accord, faisons du surplace. Continue. Non, je ne cours pas. Oh! Ah, je sais. Regarde ce que j'ai. Mets ça. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Donne-moi juste une seconde. Et voilà. Wow, ça change tout. Regarde ce sable doré. Je savais que ça te plairait. Mon travail ici est terminé. Wouhou, rien ne peut m'arrêter. Attends, non. Aïe, qu'est-ce que c'était? Peut-être que c'était pas une bonne idée. Je vais partir maintenant. Annie, veux-tu faire de moi l'homme le plus heureux au monde? C'est un oui? Oh non! Bon, tant pis pour la bague. Attends, je sais. Grâce à cette astuce, je vais te fabriquer une bague en un rien de temps. C'est joli, non? Et maintenant, il suffit de le coller. Problème résolu. Alors, veux-tu m'épouser? Encore? J'espère qu'elle te va. Waouh! Elle a dit oui! Cet endroit est exactement comme sur les photos. Qu'est-ce que je fais en premier? Ah, je déteste regarder les infos. Attendez, moi?
D'accord, qu'est-ce qui se passe? Un voleur est en train de faire sa loi dans la ville. Attention à vos affaires. Cet homme est capable de passer n'importe quel mur. Sa spécialité, ouvrir les fenêtres fermées. Un passant l'a vu et l'a poursuivi dans la rue. Mais malheureusement, il a réussi à lui échapper. Rappelez la police si vous avez des informations. Votre domicile n'est plus sûr. Oula! Ce n'est vraiment pas le moment de partir. Je dois oublier mes vacances. Mes bijoux sont partout. Et mon argent aussi. À moins que... Heureusement que j'ai un plan. Je reviens tout de suite. Pfiou! Quel voyage! Mais avant de défaire mes valises, je vais voir ce qui s'est passé en mon absence. Le cambrioleur! Il a vraiment un sacré culot! C'est sympa ici. Oh! Une boîte à bijoux? Hein? Il y a juste une épingle à l'intérieur? C'est de la perte de temps. Où sont toutes les affaires de valeur? Toujours rien! C'est impossible! Réfléchis, réfléchis! La poubelle? Impossible! La police! Il faut que je m'en aille! Oh non! Eh ben, ça a marché à merveille! Et tout ça grâce à une balle de tennis! Regarde bien, ça t'impressionne? Au lieu de les mettre dans des endroits évidents, cache tes bijoux dans des endroits improbables! Personne ne songerait à regarder là! C'est ce qui en fait la cachette parfaite! Prends un disque de garçon, comme celui-ci! Et découpe un autre rond au milieu. Applique de la colle chaude un peu partout pour coller de vieux emballages. On ne doit plus voir le carton. Continue. Et une fois que tout est recouvert, tu obtiens la cachette parfaite. Est-ce qu'on s'ennuie aujourd'hui? Tiens, tiens, elles sont jolies. Je me demande si... Oh, maman, je voulais juste te dire que je t'aimais. Oh, il est trop mignon. Oh oui, c'est parti. Wouhou! J'arrive. Ouf! Oh non, elles sont toutes cassées. Maman, j'ai quelque chose pour toi. Pour te montrer à quel point tu comptes pour moi. Oh, c'est pas vrai! Tout ça pour toi! Tu vois comme je t'aime! À plus! Qu'est-ce que je fais de ça maintenant? Bon... Oh, attends! Je peux peut-être en faire quelque chose! Je sais! Tu as un vieux pot en carton? Retourne-le et pose un verre à vin à l'envers dessus. Ensuite, dépose les fleurs autour du verre. Choisis les couleurs que tu préfères. Ensuite, verse de la résine liquide dans l'espace entre le verre et le rebord du pot. Ça doit être rempli jusqu'en haut. Ne t'inquiète pas, tu peux recouvrir les fleurs. Ensuite, on attend que ça durcisse. Et quand tu retires le verre, tu obtiens un magnifique bracelet. Et il est unique. Tu peux en faire plusieurs. Maman, tu aimes les serpents? Ce ne sont pas des vrais, pas de panique. Hein? Mec, la scène était dingue. Mais est-ce qu'ils avaient des tatouages qui déchirent comme ça? Quoi? Mais non! Waouh! Je veux le même. Je trouve David très séduisant d'un coup. Salut! Je peux toucher? Oh! Oh! Aïe! Je t'ai fait mal? Non, t'inquiète. Ah! Ça fait trop mal! Qu'est-ce que tu es en train de me faire? Oh, ça n'a pas encore commencé, c'est ça? Oups! Prêt? Oui, je crois. Oh là là! Je suis vraiment en train de faire ça! Non! Non? Tu es super courageux! Moi aussi, j'aimerais bien avoir un joli tatouage. Mais je peux faire toujours semblant d'en avoir un. Regarde! C'est un tatouage de loser! Pas le mien! Oh! Qu'est-ce que je peux faire maintenant?
Je peux toujours l'impressionner. Tu vois ce truc? Eh oui, je peux le faire tourner super vite. Oh, ça ne marche pas. Comment faire pour attirer l'attention de David? Je sais. Eh, cette tenue me va beaucoup mieux, tu ne le trouves pas? Bof. C'est impossible. Attends un instant. Je crois savoir quoi faire. Prends un trombone et coupe le bout comme ça. Tu vas te retrouver avec plusieurs trucs comme ça. Il t'en faut 4. Waouh! Incroyable ces piercings! Et tu en as plein! Alors que je n'ai qu'un pauvre petit tatouage. On fait un truc ensemble tout à l'heure? Oh, je ne crois pas, non. Ça a fonctionné comme sur des roulettes. Allez tout le monde, c'est l'heure du contrôle. Je récupère vos antisèches. Allez, donne-le-moi, pas besoin d'essayer de le cacher. Bon, d'accord, tenez. La prof va par là-bas. Attends, je sais ce que je devrais faire. Il faut que je cache mon antisèche. Je vais utiliser ma boucle d'oreille pour ouvrir ce compartiment dans mon portable. J'ai une antisèche minuscule avec toutes mes formules. Je vais la plier pour qu'elle soit encore plus petite. Et comme ça, je peux la glisser dans mon téléphone. Elle est bien cachée. Voilà, comme ça, je vais pouvoir finir mon contrôle en gardant mon téléphone avec moi. Allez, donne-moi ton téléphone, que j'y jette un œil. Tout a l'air bon, tiens. Super, elle est partie. Je peux rouvrir mon compartiment caché. Je suis trop maligne. Et comme ça, j'ai toujours mon antisèche. Je suis un vrai génie. Il y a tellement d'arbres dans cette forêt. Oh, il est quelle heure? Oh là là! Voyons voir, tout le monde est prêt? On peut commencer le cours? Oh, je n'en ai pas l'impression. Bon, c'est parti. Vous allez pouvoir utiliser ces compas. Vous allez devoir dessiner un cercle de la même taille que ceux du tableau. Allez, venez en prendre un et au travail. Oh non! Comment ça? On doit travailler pendant les cours maintenant? Allez, tout le monde prend un compas et fait ce que j'ai demandé. Et attends, il en reste plus pour moi. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Elle s'est endormie? Qu'est-ce que je dois faire, moi? C'est horrible! Il n'y a aucune solution aussi? Comment je suis censée dessiner un cercle, moi? Tout ce que j'ai, c'est cette règle. Je ne comprends pas comment ça marche. Ce truc ne marche pas du tout. Je n'arrive pas à dessiner de cercle avec. J'hallucine ou quoi? Jake a eu un compas et il n'arrive même pas à s'en servir. Qu'est-ce que c'est frustrant? Ce truc est horrible! Pfiou, je déteste ça. Dis donc, elle aussi, elle a du mal. Et je sais quoi faire. Je vais l'ouvrir et voilà. Trop fastoche. Bon, je peux peut-être essayer de faire quelque chose avec ma règle. Si je garde mon crayon dessus... Oh non, ça n'a pas du tout marché. Ou alors je peux faire un cercle à main levée. Ça ne marche pas. Allez, ma règle, j'ai besoin de toi. Hé, je crois savoir quoi faire. Je vais faire un point tous les 2 cm jusqu'au bout. Super, maintenant je vais faire des trous partout où il y a un point. Génial, voyons voir ce que ça donne. Je vais poser ma règle sur la feuille et mettre un crayon dans le trou du milieu et je tourne. Je dois juste passer au-dessus de mon bras et je peux finir le cercle. Voilà, comme sur des roulettes. Oh là là, tu as vraiment dessiné le cercle parfait. Attendez, vous m'apportiez vraiment un vrai compas? Super. Oh, c'est horrible. Je déteste ce chapitre. Je ne comprends même pas toutes les formules. Oh, j'abandonne. Ce n'est vraiment pas mon truc. Ah, c'est quoi ça? Une peluche pour toi? Tu veux jouer avec moi? Désolée, je ne peux pas. Il faut que je finisse de réviser et que je termine mes devoirs. Oh, j'aimerais tellement aller dormir, je suis crevée. Oh, oups! Je me suis assoupie, mais il faut que j'avance. Ouf. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Je suis où? Je n'ai jamais vu une copie si mauvaise! Je me suis endormie en révisant! Je vais rater mon contrôle! Hein? Salut, tu aimes mon ballon? Tu veux jouer avec moi? T'as vu? J'ai attaché un ruban à mon ballon pour ne pas qu'il s'envole. Hé, je peux peut-être en faire quelque chose. J'ai un ballon et ce feutre, je vais écrire les formules dessus. Et maintenant, je dégonfle le ballon. Super, il est tout petit maintenant. Je peux mettre un bout de scotch dessus. Je tiens bien le ballon pour qu'il ne bouge pas. Et je peux retirer le bout de scotch. Pour finir, je le colle sur mon ongle. Ça rentre presque parfaitement. Parfait. Allons déchirer ce contrôle de maths avec ma super astuce. En plus, personne n'a rien remarqué. Qu'est-ce que je suis maligne. Est-ce qu'elle triche par ici? Elle a des antisèches? Attends, je vais regarder de plus près. Je vais sortir ma lampe.
Hey, regarde-moi et ouvre grand la bouche. C'est bon, tu peux continuer. C'est bien de ne pas tricher. Phew, c'était moins une. Je suis vraiment la meilleure. Et voilà, alors tout le monde... Cette nouvelle photo est incroyable, non? Elle tient toute la journée. Viens, on prend un selfie ensemble. Elle ne m'écoute pas du tout. Et si, Cheryl, ça suffit, séparez-vous tout de suite. Non, je ne peux pas m'éloigner de toi. Tu vas tellement me manquer, Cheryl. On est si proches et si loin à la fois. C'est mieux, les cours sont faits pour apprendre. Psst, psst. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? On n'a qu'à se parler sur nos téléphones. Oh oui, c'est malin. Je vais sortir le mien. Arrête-toi tout de suite. Tu me crois née de la dernière pluie? Confisqué. Le tien aussi. Je vais le garder au chaud, c'est mieux. Vous les récupérez à la fin du cours. Et maintenant au travail. Et je vous surveille. Attends, je vais essayer un truc. Je vais en faire une boule. Cheryl, c'est pour toi? Oh non, elle a atterri trop loin. Elle n'a rien vu? Oh, elle est plongée dans son livre. Phew, on a eu de la chance. Bon, je vais tenter autre chose. J'ai ce gobelet en plastique. Je vais le retourner et découper le fond. Ensuite, il me faut un ballon. Je vais couper le bout du ballon comme ça. Ensuite, je vais l'ouvrir et le faire glisser sur le gobelet. Parfait! Mon canon à message est prêt! Je vais mettre mon mot à l'intérieur, tirer sur le ballon et feu! Waouh! Ce mot est pour moi! Voyons voir ce qu'il dit. Comment tu vas? Oh, elle a écrit ça rien que pour moi! Oui, ça a marché! Oh, ça doit être elle qui m'a répondu. Je me demande ce qu'elle dit. On se voit dans le bureau du proviseur. Moi aussi, je sais faire un canon à mots. J'essaye d'atteindre le tableau. Ce n'est pas de ma faute, je suis trop petite pour écrire le résultat. Il me faut ma trousse. Oh, je déteste être petite comme ça. Je ne peux rien attraper. Oh, elle ne voit pas que j'essaye de lire. C'est bon, elle est là. Salut, Essie. Oh, salut. Comment tu vas? Oh, dis donc, tu es vraiment très, très grand. Salut là-haut. En fait, je t'apprécie vraiment beaucoup. Tu crois que je pourrais t'embrasser? Tu peux aller un peu plus vite? Allez, je suis en bas, là. Bon, je vais avoir besoin de ce mégaphone. Hé, tu dois plus te pencher pour m'embrasser. Il faut peut-être que je le chante en ukulélé. Rien ne fonctionne. Attends, il y a des crayons de couleur là-bas. Oui, ça peut marcher. Je vais aussi avoir besoin de tongs. Je vais enlever les attaches. Et je vais avoir besoin de colle chaude. Je vais mettre un tout petit point. Comme ça, je peux coller un crayon dessus. Je recommence. Voilà, j'en ai collé sur toute la semelle. Je vais en ajouter un sur le dessus, au milieu. Je vais pouvoir y enrouler l'attache autour. Ta-da! Et voilà des sandales à plateforme qui tuent. Je vais les enfiler. On va voir si ça marche. Ouais! Je vais enfin avoir ce bisou tant attendu. Attends. Oh, c'est une blague? Je n'ai pas mis tant de temps que ça. Hé, hey, réveille-toi. Ah, tant pis, oublions tout. Hein, quoi? Je suis réveillée. Ah oui, le bisou, j'arrive. Bon, j'avoue que j'ai toujours envie de t'embrasser. Viens, on doit écrire nos noms. Hé, attends, je vais écrire le mien d'abord, bouge. Non, j'étais là d'abord, c'est ma ligne. C'est ma ligne à moi, bouge. Ah, bon, vas-y, de toute façon, personne ne va voter pour toi. Nananère. Oh, les nominations pour la reine de la promo. Viens, inscris-toi avec moi. Bon, d'accord, allez. Et si l'une de nous est élue? Attends, je prends mon stylo. Voilà, je peux m'inscrire. Oh, qu'est-ce qui se passe? Mince, mon stylo n'écrit pas. Oh, attends, j'ai une idée. J'ai une banane dans mon sac. Ce n'est pas ce que je cherchais. 2 secondes. Voilà, c'est bon cette fois. Oui. Attends, ce n'est pas du tout ce que je cherchais. Oula, ne le prends pas mal, mais tu en mets du temps. Mais oui, je sais. Moi aussi, j'ai regardé l'épisode hier soir. Qu'est-ce qui s'est passé, là? Bon, j'en ai marre. Je vais tout mettre par terre. Attends, une autre poubelle de jus? Hé, mais ça me donne une idée. Je vais prendre cette bouteille de jus vide et donner un petit coup de cutter. Comme ça, je peux enlever le dessus et utiliser mes ciseaux pour découper le long du bord. Je vais jusqu'à l'autre extrémité. Ensuite, refais la même chose sur les autres bords et ouvre la bouteille comme ça. Mais je n'ai pas envie qu'on voit que c'était une bouteille de jus, alors je vais la décorer avec du papier rose. On va la retourner et sortir le tube de colle. Je vais en mettre un peu partout. Comme ça, je vais aussi pouvoir coller cette bande de papier orange. Et maintenant, on sort l'artillerie lourde. La colle chaude, parce que le petit tube de colle ne va pas suffire.
c'est ajouter un deuxième X en le faisant pivoter de 45 degrés. Je vais rajouter de la colle, mais aux extrémités cette fois. Pas besoin d'en mettre beaucoup, je vais juste fixer ce petit élastique. Et ici, je vais coller des aimants. Ta-da ! J'ai fabriqué un porte-fourniture. On peut mettre des feutres et des stylos dans les élastiques. Et des post-it ici. On peut même mettre des trombones sur les aimants. Et quand il est rempli, on peut le refermer tout simplement. Il faut d'abord replier la première et ensuite la deuxième. Et pour finir, je peux remettre le couvercle que j'avais enlevé au début. Oh, regarde ce que j'ai fabriqué. C'est quoi? Je dois l'ouvrir? Ok. Waouh, mais non! Tu vois? Comme ça, tu peux facilement trouver tes stylos. Et maintenant, je peux m'inscrire à la liste des nominés. Voilà! Oh, regarde comme elle attire l'attention! Incroyable! J'ai jamais vu une trousse aussi stylée! Je ferais mieux de me préparer pour le cours. Bonne idée! Où est mon stylo? Oh, majordome! Voilà qui est mieux. Une seconde? Il n'écrit pas. Majordome, réglez-moi ça. Oh, te voilà! Tu te moques de moi? Qu'est-ce qui se passe? Là, c'est ridicule! Majordome! Ça suffit! J'en ai assez! C'est tellement agaçant! Laisse-moi tester quelque chose. J'ai une idée. Il suffit que je mouille les plumes. Ça devrait suffire. Regarde ça. C'est un bel arc-en-ciel. Ça va, Eva? Majordome, tu sais ce qu'il faut faire. Ne me déçois pas. Waouh! Regardez-moi ça. C'est merveilleux. Il y a tant de stylos parmi lesquels choisir. Faites attention, la classe. Aujourd'hui, nous allons dessiner des sirènes. Elles ressemblent un peu à un poisson. Waouh, c'est tellement cool! Allons-y! Ah, mon crayon porte bonheur! Il ne m'a jamais déçu! C'est tellement pathétique! Je dois passer un appel! Je suis sur les lieux. La situation semble normale. Aucune menace apparente. La marchandise est sécurisée. Il est temps de livrer le colis. Alors la chose intéressante est... Hein? Tu as pris trop de temps! Je devais m'assurer que personne ne m'a suivi. Je pense que vous allez être satisfaite. On a parcouru le globe pour ça. Waouh, je suis impressionnée. Tu as fait du bon travail. Regarde toutes ces couleurs. Tu vois tout ça? C'est plutôt bon, n'est-ce pas? Qu'est-ce que t'as dit? Waouh, c'est tellement cool. C'est beaucoup mieux que mon crayon. Oh, tu plaisantes. Je l'aimais bien. C'était drôle. Tu vas pleurer, nerd. Quoi? Ne sois pas méchant. Ton attitude est vraiment blessante. Je vais tout dire à ma mère. Et tu penses que j'ai peur? Aïe! Des bruits forts! Donne-moi ça! Je l'ai! Hé, je suis plutôt bon! Je pense que c'est le dernier! T'as vu ça? Il est incroyable! Waouh! Comment il a fait ça? Attendez, ça me donne une idée! Je peux utiliser ce tube de chips! Tout d'abord, je dois faire un trou à la base! Aussi simplement que ça! Maintenant, j'enlève le couvercle! Je verse des bonbons dans le tube! Ça a l'air bon! Ça suffit? Ensuite, je dois découper un disque à partir du couvercle. C'est parfait. Il doit rentrer dans le tube. Maintenant, je dois le décorer. Je vais l'entourer de ce carton. Ensuite, je le scelle en place. Ça en fait un excellent porte-crayon. Plutôt bien, n'est-ce pas? Ce gamin ira loin. Nous pourrions avoir besoin de quelqu'un comme lui. Attendez que les gars entendent ça. Je pense que je mérite une récompense. Délicieux. Et le professeur n'a aucune idée. Chut, j'essaie de me concentrer. J'ai besoin de plus de bonbons. Je suis tellement sournois. Qu'est-ce que nous avons ici? Waouh, c'est tellement mauvais. C'est un F. C'est encore pire. Nul. C'est un désastre. Eh bien, il est temps de décevoir quelques personnes. Ce selfie est tellement mignon. Si seulement tu consacrais autant de temps à tes cours. Un F? C'est quoi cette tâche? Oh, ma note! Oh non, encore un F! Mon père va être tellement en colère! Plus de cartes de crédit. Seuls ceux qui réussissent peuvent dépenser mon argent. J'ai fait de mon mieux, papa! Oh, de l'or, hurrah! Cela te donnera une leçon. Un petit coup de main, c'est affreux! Je suis dans de gros ennuis. Tiens! Comment tu as pu, David? Je ne peux même pas te regarder. Tiens ton nouveau téléphone. Tu plaisantes! Allô? C'est tellement bizarre. Je ne vais pas me laisser faire. Je vais parler au professeur. J'ai besoin de réparer ça. Hein? C'est une blague? Je veux que vous corrigiez ça. Tu essayes de me soudoyer? Moi? Jamais. Je n'oserais même pas y penser. Ah, je comprends. Donne-moi une seconde. Voilà. Merci.
Ça me fait plaisir. J'aime assez mon travail. Je n'arrive pas à le croire. Hé, regarde ça. J'ai obtenu un A+. Quoi? Comment? Je suppose que je suis juste intelligente. Qu'est-ce que je vais faire? Attends, j'ai trouvé. Ce sera tellement facile. Je dessinerai sur le F. Tout comme ça. Là, c'est bien mieux. Je devrais avoir un A+ pour Trisky. Maman et papa seront tellement fiers. Je pose ça sur mes réseaux sociaux. Attends, t'as aussi obtenu un A+? Bien sûr que oui. C'est vraiment facile quand on y pense. De quoi il parle? Je suis tellement confuse. Oh non, ça ne peut pas arriver. Je n'ai plus de papier. Je sais, j'utiliserai simplement de l'argent. Ah, j'ai besoin de plus. Pouvez-vous ralentir? Il y a tant à apprendre. Attendez, qu'est-ce qu'il a dit? Donnez-moi juste une seconde. Pouvez-vous répéter ça? Je ne comprends pas. Maintenant, c'est la partie importante. Vous allez aimer ça. C'est juste tellement excitant. Je vous crois sur parole. Je suis à court de papier. Attendez, maman! Je vais juste écrire là-dessus. Il y a tellement d'informations. Quoi? Oh, on est à court de temps. Eh bien, mon travail ici est terminé. Je ferais mieux de l'effacer. Je m'amusais tellement. Eh bien, je m'en vais. Quoi? Je n'avais pas terminé! Qu'est-ce qu'on est censé faire maintenant? J'ai l'air bien. J'adore ce rouge à lèvres. Je ne veux pas être en retard pour le cours. Fais attention! Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Ça va laisser une bosse. Je ferais mieux de ranger mes affaires, hein? Ce n'est pas à moi. C'est assez étrange. Est-ce que c'est ton cahier? C'est chic. Donne-moi ça. Tu ne sais pas apprécier les belles choses. Oh, voilà mon tampon. Je tamponnerai toutes mes affaires. Et dorénavant, on saura ce qui m'appartient. Comme si ça me faisait quelque chose. Oh, un bâton de colle. Ça pourrait être utile et plus besoin d'un tampon sophistiqué. Ouais, ça fera l'affaire. Je ferais mieux de me mettre au travail. Je prends un couteau. Je l'utilise pour tailler le bâton de colle. J'enlève des sections. Je prends mon temps. Une erreur et tout est gâché. J'enlève cette partie. Ça doit aller. Mais j'ai besoin de couleurs. J'utilise de la peinture pour cette partie. Je m'assure que le bâton de colle est bien couvert. D'accord, le moment de vérité, je le presse sur le papier. Et il laisse derrière un cœur d'amour. Regarde ça. Mais dis donc, t'as aussi un tampon? Je vais te montrer. Alors, c'est comme ça, hein? Je suis une machine à tamponner. Tu ne me battras jamais. Oh, elle est tellement agaçante. Cette affiche est à moi. C'est ce que tu penses. Ah non, certainement pas. J'ai toujours voulu cette affiche. Trop lent. Ha, j'ai eu l'horloge. Je peux faire ça toute la journée. C'est mon bureau. J'ai toujours voulu ce trophée. Qu'est-ce qui se passe? Oups, je crois qu'on a gaffé. Quoi? Oh non! Vous êtes sérieux? J'en ai assez. Il n'y a qu'une seule solution. Tu as échoué à ce cours, et toi aussi. Ouais, je suppose que c'est juste. Allez-vous-en maintenant. J'ai besoin d'un nouvel emploi. Oh. Cette classe est tellement ennuyeuse. Qu'est-ce que c'est? D'où est-ce que ça vient? Un test? C'est sérieux. T'as dit un test? Non, ça doit être une blague, n'est-ce pas? Non, c'est la réalité. Et il est très difficile. Oh allez, je n'ai même pas étudié. Heureusement, je n'ai pas besoin d'étudier. Je peux utiliser mon téléphone. Je le mets dans ma trousse. Toutes les réponses sont à portée de main. Hein? Je ne savais pas ça. Ça va être facile. Bonne chance, David. Je ne réussirai jamais. Je suppose que ce sera encore un F. À moins que... J'ai une excellente idée, il me suffit de faire quelques ajustements à mon stylo. Je commence par le démonter, je retire les strips anti-glisse, c'est tout. Maintenant, je place une bande de papier sur le stylo, il contient toutes les réponses. Ensuite, je remets les strips anti-glisse en place. Je m'assure qu'elle couvre la feuille de triche. C'est parfait, je vais certainement réussir maintenant. C'est intéressant, et le professeur ne se doute de rien. Il me suffit de tourner le stylo pour avoir les réponses. C'est exactement ce que je recherche, je ferais mieux de me dépêcher. Et qu'est-ce qui se passe ici? Super test! L'un des meilleurs! Ça me fait vraiment travailler dur. Oh là là, je ferais mieux de rester cool. Je vais changer l'image sur mon téléphone. Je prends juste un stylo. D'accord. Je l'ai échappé belle. N'est-ce pas? Elle ne se doute de rien. C'est notre secret. Tu es prête, Megan? Oh ouais! Que l'explosion commence! Ouais!
Waouh, je suis sur le point de faire exploser quelque chose moi-même. Regarde. Pas possible. Allons-y. Accrochez-vous, les gens. Oh, c'est fini? Non. Augmentons d'un cran. Oh là là. Tant de chocolat. Où sommes-nous? Au paradis du chocolat, bébé. Ouf. Allons-y. 1, 2, 3, go. Intéressant. On peut le dire. Autant continuer. Mais contrairement au véritable trône de porcelaine, c'est du chocolat, bébé. Il est temps de déboucher. C'est difficile. Il y a juste trop de bonnes choses, je suppose. Waouh, regarde. C'est délicieux. Plus, s'il te plaît. Je veux tout jusqu'au dernier morceau. C'est simplement trop bon pour être gaspillé. Waouh. J'ai déjà fini? Pas de problème. Fais-moi une fondue. Regarde tout ce chocolat. Qu'est-ce que tu fais? Génial! N'est-ce pas? Une vraie beauté. Qui aurait cru que les toilettes pourraient être aussi délicieuses? Du chocolat solide. J'en veux. Attends une minute. Je sais quoi faire. Viens voir papa. On y va. Alors, ça vient. Il y a du mouvement, les gens. Voilà, mec. Je me dirige vers la ville du chocolat. Allez, continue. Mange et apprécie, mon gars. Regarde, c'est en train de se produire. Youpi! On lâche ses friandises au chocolat. Tu vois? Et elles sont toutes à moi. Il faut les attraper toutes. 5 au total. Mon Dieu, la vie est vraiment douce. Ça valait vraiment la peine d'attendre. Et pourquoi ne pas ajouter quelques vermicelles? Allons-y! Miam! À moi l'honneur! Tellement délicieux! Parfait! Tu en veux? Oui, bien sûr! Pourquoi pas? N'est-ce pas? Attends, toi ou moi en premier? Si tu insistes. Des fraises? Génial! Mais il n'y a pas de chocolat dessus. Dommage. J'adore les fraises! Pas touche, Meg. Attends, je sais! Regarde ça. Oh ouais, bébé! C'est mon tour. Et? Ah! Ne suis-je pas appétissant? Ah! Dégage de là! Prends ça! Dégage de mon assiette, Brian! Dégoûtant! C'était vraiment hilarant! Pas pour moi, Brian! Ouf! Oh! Quoi? Qu'est-ce que c'est que ce regard maléfique? Je suis désolée! S'il te plaît, ne sois pas fâchée! Megan? Je ne peux pas t'entendre! Envie de parler? Problème résolu! Ah! Ne t'inquiète pas, je vais bien. Peu importe, c'était vraiment nécessaire. Oh, tes fraises. Tu voulais du chocolat, c'est ça? Ça me donne une idée épique. Plus petite, s'il te plaît. Voilà, regarde ça. C'est mignon. Maintenant, place à la partie amusante. C'est l'heure du chocolat. Entre là-dedans. Oh ouais, là on parle. Mais je n'ai pas encore tout à fait fini. Fais tomber la pluie. Et juste comme ça, voilà un requin. Vraiment génial. Tu en dis quoi? C'est doux mais acidulé à l'intérieur. C'est tout simplement savoureux. Oh, c'est pas juste. Comment donner plus de peps à cette chose? Réfléchis, réfléchis. Dis-moi, fraise. Oh, vraiment? Ouais, je peux aussi faire preuve de créativité, tu sais. Oh ouais. Allons nager. Regarde tout ça. Ça va être tellement bien. Il est temps de mouler. Et le moment de vérité. Cool! Une petite bête tête de mort. Attends une minute. C'est beaucoup mieux.
Ouais! Mords-moi ça! Oh ouais! Si juteux et doux! Youpi! C'est une bonne journée! Ouais? Au travail! Quoi? C'est scandaleux! Elle a une mallette licorne! On va bien voir qui est le meilleur! Eh oui! J'ai une palette de couleurs géante! Je suis sûre qu'elle est archi jalouse! Ma peinture est bien aussi! Je peux me remaquiller les yeux au besoin! Et j'ai aussi des craies grasses griffes de Wolverine! Et tu trouves ça cool? Regarde mon nouveau rouge à lèvres! C'est tout ce que tu as? J'ai des tubes de gouache! Oh! Je ne le supporte pas! Et bien évidemment, mes pinceaux! Pas cool, parce que moi aussi j'en ai! Eh oui, tout un attirail de pinceaux de maquillage! Oh, d'accord, on va dire qu'elle gagne pour les pinceaux! Attends un instant! Je ne m'avoue pas encore vaincue parce que je viens d'avoir une idée de génie! Je vais prendre une feuille de feutre. Maintenant, il me faut une règle et une craie. Je vais dessiner une ligne en pointillé d'un centimètre chacun. Voilà, je fais une parallèle juste à côté et une autre ligne plus loin. Et maintenant, je découpe sur les pointillés. Comme ça, je peux y ranger mes crayons et mes pinceaux. Je les glisse à travers les ouvertures. Et ensuite, je peux les enrouler sur eux-mêmes. Une fois que c'est fait, je peux mettre un peu de colle chaude juste ici. Et j'y colle ce nœud qui est attaché à un élastique. Et voilà, c'est parfait! Tu devrais peut-être regarder ça. Comment il a fait? Comment tu oses rivaliser avec moi? Qu'est-ce qui se passe ici? Oh, un concours! Je vais annoncer le gagnant. C'est lui-là! Oh là là, incroyable! J'en ai toujours rêvé! Je n'y crois pas! C'est bon, j'ai tous mes téléphones. Attends une seconde. Non, 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 non! Elle récupère les téléphones de tout le monde! Je ne vais pas pouvoir entrer si je ne lui donne pas les miens. C'est bon, il faut juste que je les cache. Dans mes poches et où je peux. Allez, c'est bon, je suis prêt à entrer. Oh, attends, je ferais mieux d'en donner juste un pour qu'elle ne se doute de rien. Tenez, madame, mon portable, je n'en ai pas besoin. Phew, c'est bon, je suis passée. Elle ne s'est doutée de rien. Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est un contrôle. Vous n'avez pas beaucoup de temps, alors au travail. Bon, je vais sortir mon premier téléphone. J'ai complètement oublié de le charger. Je vais prendre celui qui est dans ma casquette. Il va m'aider. Oh! Hein? C'était quoi ce bruit? Rien, je suppose. Phew, c'était moins une. Bon, maintenant, il faut que je récupère mon portable sans qu'elle ne remarque rien. Non! L'écran s'est éclaté en tombant! Bon, il faut juste que j'en prenne un autre. Celui dans ma capuche. Enfin, je vais pouvoir réussir ce contrôle. Qu'est-ce qui se passe ici? Je suis sûre qu'il essaye de cacher un téléphone. Je vais lui donner une leçon. Hein? Qu'est-ce qui se passe avec la lumière? Oh! Psst! L'écran de ton téléphone brille. C'est pas vrai! C'est une blague! Tiens, je vois que tu as un téléphone. Tu te croyais malin. C'est bon, je dois avoir tous tes portables maintenant. C'est incroyable que tu en aies autant! Non, comment je vais faire maintenant? Attends, qu'est-ce qu'elle a là? Téléphone sous la table? Je suis carrément jaloux. Hé, c'est impressionnant! Oh, ça, c'était facile. Il suffit d'utiliser du scotch. Du scotch, tu es un génie! Non! Le cours est déjà terminé! Ne pas faire de bruit... Sur la pointe des pieds! Phew! Il y a quelqu'un dans le coin? Je n'ai pas l'impression! Oh! Eva est tellement belle et gentille! Je vais ranger ça parce qu'il faut que je sois courageux! Elle va adorer ce muffin! Je l'ai fait exprès pour elle! Oh non! Elle arrive! Elle est juste là! Il faut que je parte d'ici et vite! Je vais me cacher dans ce coin. Bon, elle est devant son casier. Elle regarde son portable. Non, 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 non! C'est pas possible! C'est Jake! Salut Eva, je voulais t'offrir ça. C'est pour moi? Waouh! Ça a l'air délicieux. Je vais goûter cette fraise. Trop bonne. Tu en veux une? Non! C'est pas juste! Comment il a fait pour me battre? Bon, cette fois c'est la bonne. Je crois qu'elle aime beaucoup les tulipes. Salut Eva!
Hein? C'est quoi ça? Oh, salut! Je peux t'aider? Oh, non, pardon. Oublie. Bon, d'accord. Ces roses sentent super bon. Eva n'a pas de cahier. C'est l'occasion rêvée. Tiens, Eva, prends mon cahier. Non, prends le mien. En plus, tu adores le violet. Oh, elle va encore choisir Jake. Regarde, j'en ai trois pour toi en plus. Waouh, la couverture de ton cahier est marrante. Hein? C'est pas vrai! J'ai pris un ensemble de sequins et de perles. J'ai essayé de mélanger le maximum de couleurs. Et ensuite, j'ai récupéré le couvercle de cette boîte de chips. J'ai mis de la colle chaude sur tout le contour. Et je l'ai collé sur le cahier. Et voilà! Fini! Un cahier amusant et brillant! C'est fou que tu aies fait ça toi-même! Je t'ai aussi pris des tulipes. Je vais colorier ce cœur avec une craie. Oh, j'ai faim! Trop bien, de la pizza! J'adore la pizza, c'est mon plat préféré! Oh, je l'ai fait tomber sur mon t-shirt! Je suis toute seule maintenant! Pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qui ne va pas? Je me suis salie! C'est mon t-shirt préféré! Oh non! Bon, bon, ne t'inquiète pas! Je dois bien pouvoir faire quelque chose! Oh, la craie! Mais oui, je peux m'en servir! Alors, j'ai la craie et le t-shirt taché. Je vais mettre de la craie sur la sauce tomate. Voilà, il y en a bien partout. Et maintenant, dans la machine à laver. Tada! Regarde, ton t-shirt est tout propre. Prête? Hop! Trop bien! Merci, papa! Oh, attends un peu. Tu ne dois pas recommencer. Voilà, au moins tu ne te saliras pas si tu en refais tomber. Miam! Parfois, ton papa peut venir à la rescousse. Oh, je n'arrive à rien, c'est trop dur. Peut-être en essayant ça? Non, non, ça ne marche pas non plus. Ah, je déteste cette journée. C'est bon, calme-toi et repose ton calcul. Non, non, ça ne sert à rien. Je ne suis qu'une grosse ratée. Hein? Pourquoi elle gaspille autant de papier? Comment il fait pour réussir son contrôle aussi bien? Je peux peut-être lui demander de l'aide? Moi? T'aider? Jamais de la vie! Nulos! Ouf! Je ne le ferai jamais. Il va être méchant. Il est trop populaire. Il commence à faire chaud ici, non? J'ai très chaud. Salut, ça va? Oui, oui. C'est pas vrai! Il a déjà presque tout fini! Bon, il faut que je lui demande de m'aider. T'aider? Oh, bien sûr, avec plaisir. Regarde, je vais te montrer une astuce. Entoure les unités et multiplie-les. Fais pareil avec les dizaines et note le résultat. Ensuite, il faut juste additionner ces deux chiffres et mettre les résultats au milieu. Tu vois, tu as ta réponse. Tiens. Oh, merci beaucoup. Tu es galant et malin. Maintenant, je peux enfin faire mon contrôle. Oui! J'adore écrire des dissertes! C'est trop bien! J'adore mettre sur pied des réflexions convaincantes! Dis donc, il écrit tellement vite! Il est trop bizarre! Et il faut aussi réfléchir à de belles transitions! Oh! Cette lime à ongles ne fonctionne pas! Il m'en faut une autre! Non, je pense qu'il me faut la grande verte! Oh! Et je ne dois pas oublier cet argument-là non plus! Ouais! C'est bon! Maintenant, on passe à mon incroyable conclusion! Oh non, je n'ai plus de mine! Non, non, non! Comment je vais finir ma disserte sans... Et je peux t'emprunter un crayon? Oh, désolée, je n'ai que ça! Je pense que ça peut marcher! Je prends! Oui, ça fonctionne! La lime aiguise le crayon! Pas mal! Un crayon bien taillé pour finir ma disserte! Et tu penses que tu pourrais écrire la mienne? Sans problème! Surtout que je te suis redevable! Trop bien! Je peux reprendre mon portable! Bon, je crois qu'il est temps de me mettre au travail. Hein? Pourquoi mon stylo ne marche pas? Il n'y a plus d'encre! Toujours au bon moment! Bon, tant pis! Hé, Sophia? Tout va bien, Luna? Mon stylo ne marche plus! Tu pourrais m'en prêter un? Bien sûr! Je crois que j'en ai un autre. Il doit être là, quelque part. Non, ce n'est pas ça. Attends! Hein? Qu'est-ce que c'est que ce Beans? Oh là!
Il y a tout un tas de trucs là-dedans. Il faudrait vraiment que je fasse un peu d'ordre. Attends, j'ai une idée! Je sais exactement comment mettre de l'ordre dans mes affaires. D'abord, je vais placer un élastique autour de ma pochette. Je vais en mettre quelques autres. Comme ça, je peux ranger toutes mes affaires dans les élastiques. Et je peux même en mettre à l'intérieur. Comme ça, tout est au même endroit, c'est plus facile de s'y retrouver. Pas mal, non? Et voilà ton stylo! Hein? Quoi? Ah oui! Merci! C'est génial! Je faisais un si beau rêve! Cette évaluation est trop nulle! Ah bon? Moi, je l'aime bien! C'est parce que tu es une intello! Et si on s'amusait un peu? Hé! Cesse de faire l'enfant! Oh, j'adore cet exercice! Oh, au secours, sortez-moi de là! Eh mais, attends une minute! Hé! Oh, quoi encore? Regarde ça! Je vais frotter mon stylo sur ma manche et faire tourner le bouchon autour! Alors impressionnant, n'est-ce pas? Waouh, c'est de la magie! Je peux essayer? Il me dirait que ça n'a pas marché! Un magicien ne révèle jamais ses secrets! Peut-être qu'en frottant un peu plus! C'est parti! Non, je n'y arrive pas! Ah, je sais! Réfléchissons, comment ça peut marcher? Mince, j'allais oublier la gravité! Avec la rotation de la Terre, ça nous donne... C'est bon, je sais! Retentons l'expérience. Ce n'est pas magique du tout! Gna gna gna! Oh, oh! Silence dans la classe! Désolée! Oups, grillé! Sophia, je te vois, tu sais! Oui! Je fais mon exercice! C'est la dernière fois que je vous le dis! Hein? Où est passé mon stylo? Je ne suis pas partie pour avoir une bonne note, on dirait! Enfin, rentrée! Quelle journée! Le temps est maussade! Je ferai mieux de ranger ce parapluie. Oh non! Qu'est-ce qu'il vient de se passer? Oh, heureusement que j'ai une lampe torche! Voyons d'où vient le problème! Oh oh! Ce n'est pas bon! Il vaudrait mieux pas que ça se reproduise! Mais comment faire? Peut-être que cette bouteille en plastique pourrait être utile. Il est temps de se mettre au travail. Pour cette astuce, il faut une bouteille en plastique vide. Et c'est parti! Découpe les deux extrémités de la bouteille. Répète l'opération avec une deuxième bouteille. Mets les bouteilles l'une dans l'autre. Puis place encore une bouteille plus petite à l'intérieur des deux autres. C'est parfait pour les jours pluvieux! Oh! Salut Sophia! Salut! Tu as vu ce temps? Il pleut des cordes! Non! Attends! Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Utilise ça plutôt! Place le parapluie à l'intérieur des bouteilles. Ça évite qu'il y ait de l'eau partout. Comme ça, l'eau s'écoule au fond de la bouteille. Et voilà! Waouh! C'est super pratique! Attention! Oups! Désolée! Bon, je retourne chercher la lampe. Vos résultats d'examen. C'est une blague? Je peux peut-être le changer? Ça n'a pas marché? Qu'est-ce que je vais faire? Un F! Peut-être que je peux l'enlever en grattant. C'est bête. Ok, réfléchis. Ah, j'ai trouvé! J'ai juste besoin de ce pistolet à colle et d'un bâton de colle. Je vais mettre de la colle au bout, puis je pose sur l'encre pendant quelques secondes. Et ça part tout seul. Je suis un génie! Enfin, peut-être pas. Et à présent, je peux mettre une nouvelle note. Je mérite un A. Regarde ça! Tu es si intelligente et frimeuse. Donne-moi les réponses la prochaine fois. Attends, tu savais qu'on avait un examen? Qui est le mec bizarre? J'ai ce dont vous avez besoin. Maths, anglais, plusieurs choix. Tu m'as convaincue. Effectue d'abord le paiement. Évidemment. Laisse-moi voir ce que j'ai. Je pense que cela sera suffisant. Et voilà, à la mode et avec toutes les réponses. Waouh, c'est incroyable! Merci. Encore un client satisfait. Bonjour. Tu peux m'aider? Avec ton style, je ne peux pas faire de miracle. C'est tellement chouette! C'est la gomme la plus intelligente du marché. C'est mieux que d'étudier! Je dois acheter les réponses. Il doit y avoir quelques bonbons. Ceci ne va pas me donner grand-chose.
Excusez-moi, qu'est-ce que je peux avoir avec ça? Tu te moques de moi, va-t'en. Rouleau ninja pour m'échapper d'ici. Marche plutôt. Super, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Attends, ça me donne une idée. Cela vaut la peine d'essayer. Je vais placer mon étui sur l'écran. Je peux faire défiler les réponses. Maintenant, je suis prête. Il n'y aura pas de tricherie. Pas dans ma classe. Je ferais mieux de cacher ça. Voyons ce que dit le scanner de triche. Ce n'est pas bon. J'en étais sûre. Tricher en utilisant une gomme, je suis dégoûtée. Et je dois faire ça à chaque examen. Et qu'est-ce qui se passe ici? Personne ne peut battre le scanner de triche. Utilisez un chapeau pour cacher les réponses. Oh, grillé. Ça se passe bien jusqu'à présent. Oh, la prof arrive. Je suis sûre que je vais trouver des preuves de triche. S'il te plaît, ne bip pas. Hein? Il doit être cassé. Pas de triche ici, madame. Une si gentille fille. Oh, je laisse tomber. Quel délicieux sommeil! Quelle heure est-il? Oh non, je suis en retard pour l'école! Je dois me dépêcher! Je vais prendre quelques vêtements! Wouh! J'ai peut-être trop de vêtements! Ma tête! Au moins, ça m'a fait gagner du temps! Bonjour, maman! Prends un petit déjeuner! Qu'est-ce que tu portes? Hein? Désolée, maman, je dois y aller. Quelle fille étrange. Oh non, pas encore. Je ne peux pas faire ça tous les jours. Bonjour, je dois y aller, maman. Qu'est-ce qu'elle porte? Cet enfant doit vraiment mieux s'habiller. Cette pièce est dans un désordre. Il y a des vêtements partout. Est-ce que je dois tout faire? Mais j'ai une idée géniale. Je vais sortir ces vêtements et accrocher ce rangement pour vêtements. Les choses sont déjà plus ordonnées. Une tenue pour tous les jours. Voilà, maman a encore tout fait. Debout, debout, c'est l'heure de l'école. Quoi? Je faisais un super rêve. Il est temps de s'habiller. Tada! Allez. Ok, je suis réveillée. Regarde, c'est tout propre et bien rangé. Waouh, maman, je peux voir tous mes vêtements. Et c'est organisé par tenue. Quelle bonne idée, ça a l'air plutôt bien. Oh non, le temps! Tu es si bête. Bonne journée. Merci, maman, tu es la meilleure. Ma propre licorne, elle est si mignonne. Mais il faut de la couleur. Mes stylos sont là-dedans quelque part. Oh, quelque chose ne va pas. Il y a de l'encre partout. Je ne peux pas dessiner avec ça. Maman! Qu'est-ce qui ne va pas, chérie? Regarde mes stylos. Oh, chérie, tout va bien. Maman sait toujours ce qu'il faut faire. D'abord, on va nettoyer ça. On ne peut pas avoir les mains sales. Essayons ton sac. Ça ne marche pas! Attends, on va prendre un nouveau sac. J'ai juste besoin de mon téléphone. Waouh, les sacs à dos sont chers. Tout va bien se passer. Maman a juste besoin de voir son argent. Oh, je savais que c'était trop beau pour être vrai. Je déteste voir ma petite fille contrariée. Attends une minute, je pense que je sais comment arranger les choses. Ça peut marcher. Pour masquer les taches d'encre, il suffit d'un feutre de couleur. Découpe la feutrine en pièces comme une licorne. Mets de la colle sur chaque pièce. Assure-toi de couvrir le feutre. Colle ensuite la pièce sur le sac. Fais de même avec chaque partie pour créer une licorne. Ce qui finit par couvrir la tache d'encre. On ne doit pas oublier les yeux. Et toutes les licornes ont des cils magnifiques. Maintenant, c'est magique. Salut chérie, tu vas bien? Au moins, j'ai enlevé l'encre de mes mains. Eh bien, regarde, maman a fait ça. Waouh! Un sac licorne! Je l'adore! Merci, maman! Pas de problème, chérie. Il est parfait! Je connais celle-là. J'ai trouvé. Super, mon crayon est cassé.
C'est exactement ce dont j'ai besoin. Il faut être discret. Qu'est-ce que tu fais? C'est à moi. Jalouse? Oh oui, ça fait du bien. Ok, c'est bizarre. Peu importe. Où j'ai mis mon taille-crayon? Non, rien là-dessous. Oh, juste plein de chewing-gum dégueu. Qu'est-ce que je vais faire? Aïe, il y a quelque chose dans ma chaussure. C'est quoi ça? Mon taille-crayon? Je savais que je l'avais mis en sécurité. Est-ce que cette odeur vient de mes baskets? Oh, ça sent mauvais! Au moins, j'ai mon taille-crayon. Attends, ça me donne une idée. J'ai juste besoin d'un chewing-gum. Parfait, ça pourrait vraiment marcher. Je vais mettre le chewing-gum sur ma bague, puis y coller mon taille-crayon. Je ne le perdrai plus jamais. Nana! Waouh! Trop à la mode! C'est tellement pratique. Maintenant, je peux finir mes devoirs. Luna! Ne fais pas ça! Salut! Ok, viens par ici. J'ai des devoirs à faire, ok? Ok! Je vais dessiner. C'est bien. Waouh, quel joli dessin! C'est une maison? J'ai presque fini. Moi aussi. Regarde, Luna! Qu'est-ce que tu fais? Oh oh! Ce n'est pas moi! C'est partout dans mes livres! Désolée, mais c'est joli! C'est fichu! Regarde! Qu'est-ce que je vais faire? Attends, cette encre pourrait nous servir! On dirait qu'il est temps de les couvrir avec des œuvres d'art créatives. Mets d'abord le papier sur un cahier. Utilise ensuite des marqueurs pour créer des motifs sur le papier. Utilise des couleurs différentes pour obtenir un effet plus intense. Ça a l'air bien, mais on n'a pas fini. Ensuite, prends un sac en plastique et verse de l'encre. Fais attention à ne pas en renverser. Une fois que c'est fait, ferme le sac et mets-le sur le cahier. Puis étale l'encre. Prends de la feutrine et découpe une bordure pour le cahier. Colle-le sur le cahier et amuse-toi. C'est un bon moyen de passer le temps quand on s'ennuie. Quelle bonne idée! Je ne fais rien, promis! Hé, c'est bon, regarde! C'est pour moi? Oui, bien sûr! Oh, c'est amusant! Ouf! Regarde ça! J'ai fait de jolies formes! Merci, Luna! Hein? J'ai entendu un bruit! Pas de bavardage, c'est compris! Je savais que j'aurais dû étudier! Très intéressant! C'est ma chance! J'ai un petit quelque chose dans ma manche! Oh oh! Que se passe-t-il là-bas? Désolée, je réfléchis à voix haute! Je vais cacher cette anti-sèche! Je ne peux pas prendre de risques! Comment s'en sort, Brian? Ce sera facile. Le temps presse. J'ai scotché mon téléphone sur le bureau. J'en reviens pas. C'est un génie. J'aurais dû y penser. Je mettrai ma coque de téléphone dans le t-shirt de Brian. Qu'est-ce que tu fais? Ensuite, j'y insérerai mon téléphone. Maintenant, j'ai toutes les réponses. C'est incroyable. J'ai intérêt à faire vite. Oh, je m'ennuie tellement. Si seulement il y avait quelque chose d'amusant à faire. Cette classe est la pire, hein? Qu'est-ce qu'il fait? Je sais qu'il y a une crotte de nez là-haut. Je dois changer de place. Qu'est-ce que... Mon estomac gargouille. J'ai besoin d'un goûter. Oh, un tremblement de terre. Je veux ma maman. Que quelqu'un me sauve. Superman, tu m'entends? Waouh, c'était assez bruyant. C'est assez embarrassant. J'ai peut-être de la nourriture dans mon sac. Je vais y jeter un coup d'œil. C'est juste mon argent de poche. Oh, c'est là que mon diamant est allé. Aïe! Je suppose que c'est non. Ça fait mal? C'est le pire. Ha! Quel novice! Je planifie toujours à l'avance. Délicieux. C'est bon. Le papier se mange? Je ne le savais pas. Je vais essayer. Ça n'a pas beaucoup de goût. Burk! Dégoûtant! Tu es folle! Il ne s'agit pas d'un papier ordinaire.
C'est du sucre et des dentelles de bonbons. Je suis tellement confuse. Je vais te montrer. Tu les mélanges et tu obtiens un papier délicieux. Plutôt malin, hein? Du sucre et des bonbons, ça donne du papier? Mais ça n'a pas de sens. Le papier provient des arbres. Waouh! Fais comme si je n'avais rien dit. Prends juste une bouchée. Vraiment? Je pense que je vais essayer. Tu as intérêt à ce que ce ne soit pas une farce. Waouh! C'est incroyable! J'adore! Merci, Brian. C'est exactement ce dont j'ai besoin. Je savais que ça te plairait. Cette classe vient de devenir très intéressante. Tout le monde, soyez attentifs. Ta-da! Ok, je peux le faire. Où est ma règle? Ah, la voilà! Elle s'est transformée en plusieurs petites règles. C'est tout simplement typique. C'est mieux que rien. Allons-y. Ah, vous vous moquez de moi? Essayons autre chose. Je peux utiliser ma chaussure, ça devrait faire l'affaire. Je dessinerai autour de la semelle. Waouh, c'est terrible! Il doit bien y avoir quelque chose que je puisse utiliser. Au moins, celui-ci a un bord droit. Qu'est-ce que tu fais? Chut! J'essaie de me concentrer! Pourquoi est-ce que je me fatigue? Je dois arranger ça. Meg, ce n'est pas la meilleure idée! Oh! Regarde! Je peux utiliser ce bloc de construction. Attends ici. Je vais aligner les pièces. Ensuite, je peux les assembler. C'est amusant. Ensuite, j'y ferai des marques. Cette règle me servira de guide. Il me faut maintenant le numéroter. Meg sera très surprise. Voilà, qui devrait suffire. Je ferai mieux de lui montrer. J'ai quelque chose pour toi. Voilà. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, j'ai compris. C'est parfait. Je savais que ça fonctionnerait. Attends que je le dise aux autres enseignants. Ils ne le croiront jamais. Maintenant, faites bien attention à l'utilisation des couleurs, hein? Elle dort? En plein cours d'art? Pas sous ma surveillance. Je suis réveillée! Tu es censée créer de l'art. Oh, je n'ai pas de crayon. Je suppose que le cours d'art est terminé. Ah, je sais. Tu peux utiliser les miens. Maintenant, dessine. Je m'attends à un chef-d'œuvre. Alors, j'attends. Je ne m'attendais pas à ça. Mais j'ai une idée. Oups, les crayons tombent du bureau. Comment ça a pu se produire? Je retourne dormir maintenant. Oh non, elle n'a pas fait ça. C'en est assez. Meg, lève-toi. Quoi? Quoi? Comment? Tu t'en prends au mauvais professeur. Je suis désolée, c'était une blague. Je le regrette déjà. Ça devrait suffire. Ne bouge pas. Il me faut des pailles. Je les couperai en deux. Je vais les aligner sur la table, puis les coller avec du ruban adhésif. Ensuite, je vais glisser les crayons à travers eux. Ils n'iront nulle part maintenant. Je suis assez contente du résultat. Oh, j'avais oublié Meg. Redescends maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Comment avez-vous fait? J'ai quelque chose à te montrer. J'y crois pas. Quoi de neuf? Plutôt sympa, non? Ouah! Un extraterrestre! Oh non! J'ai pas envie de me lever. Youpi! J'adore le réveil! Il n'y a rien de mieux. Oh! Un petit déjeuner au lit? Miam! Je vais me régaler. Burg, dégueu! J'aurais vraiment pas dû boire ça. Voyons voir, laquelle a le moins de trous? Il faut que je vérifie que j'ai rien oublié d'important, comme mon argent par exemple. Ça devrait suffire pour la journée. 401, 2, 3, 4, 5. J'aurais dû plus étudier hier. Ah! Qu'est-ce que... J'en reviens pas que t'aies osé me rentrer dedans. Oh, on dirait que j'ai un message. Attendez une seconde. La fête? Oh mon Dieu, j'avais complètement oublié. Oui, j'ai trop hâte d'y être. Oh mince, je peux pas aller à la fête comme ça. C'est pas grave, je vais porter ce pull à la place. Oh non, ça va pas aller non plus. Mince, je dois bien avoir quelque chose à mettre. Je vais jeter un coup d'œil dans mon armoire. Si j'ai quelque chose de bien à mettre, c'est certainement là-dedans. Oui, ça pourrait le faire. Oh? Qu'est-ce qui se passe? Il doit être accroché à quelque chose. Burk, un papillon de nuit! Pas question qu'il garde ce haut! Rends-moi ça, espèce de nuisible! Il est pas à toi, tu portes même pas de vêtements, t'es un insecte! Oh! Oh! J'arrive pas à croire que j'ai perdu contre un petit insecte! Eh, n'y pense même pas!
Tu m'entends? N'approche pas ta bouche de mon haut. Non! Arrête! Il faut que je fasse quelque chose. La pantoufle. Mais oui, bien sûr. Oh, en plein dans le mille. Oh non, je crois que je viens de le mettre encore plus en colère. Oh, ne m'approche pas, t'es tout poussiéreux. Oh mon Dieu, il faut que je fasse quelque chose. J'ai aucune idée. Je vais continuer à tourner en rond. Attends, stop. Tu préfères pas ce pull à la place? Il sent super bon. Non? Oh, mon plan n'a pas fonctionné. Hein? Oh Dieu merci, il a arrêté de me poursuivre. Mais il a toujours mon pull. Oh, et voilà qu'il s'est attribué toute ma garde-robe. Hein? C'est quoi? Hé, hey, attendez une seconde. Je viens d'avoir une super idée. Oui, c'est ça. J'ai juste besoin de papier et de ciseaux. C'est reparti. Bon, il est temps de commencer. Cette fête ne va pas m'attendre. Je vais commencer par découper le papier comme ça. Je fais de belles lignes droites. Je dois avoir l'air cool, pas bizarre. Encore quelques coups de ciseaux et le tour est joué. Adieu les ciseaux. Maintenant, je vais assembler tout ça. Il faut juste que je fasse un peu de pliage. Le pliage, ça marche à tous les coups. C'est bon, je crois qu'on y est. Maintenant, passons à l'essayage. Oui, c'est exactement ce que j'avais imaginé. Pas besoin d'un pull mité quand je peux porter une robe magnifique. Ciao! Oui, je sais que j'ai un billet VIP. Mais j'ai littéralement rien à me mettre. Oh, sérieusement, ma vie est hyper difficile en ce moment. Personne ne me comprend. Voyons ce que j'ai ici. C'est quoi cette couleur? Olive? Burk? Non. De l'argenté? C'est dépassé d'au moins une semaine. Burk. Je n'ai absolument rien à mettre. C'est vraiment horrible. Je veux dire, j'ai même pas d'accessoires. Regardez ces chaussures. C'est affreux. Jamais de la vie. Je dois faire quelque chose. Et je crois que j'ai une idée. Oh, quelqu'un m'appelle. Allô? Paris, j'ai besoin de ton aide. Je n'ai absolument rien à mettre. Il faut impérativement que tu m'aides. Je sais plus où donner de la tête. D'accord, je vais t'aider. Dieu merci. Ok. Oh, pourquoi c'est si long? C'est Paris. Hey. Ah, te voilà enfin, à ce que je vois. Bien, mettons-nous au travail. J'ai déjà perdu assez de temps. J'ai besoin de quelque chose de personnalisé pour cette fête et j'en ai besoin maintenant. Tu peux pas prendre mes mesures plus rapidement? Oui, je veux m'assurer que toutes les mesures soient exactes. Ça ne sert à rien de faire du sur-mesure si ça ne te va pas. Voilà, j'ai terminé. Je reviens tout de suite. Il vaudrait mieux que ça prenne pas trop de temps. Oh mon Dieu, je l'adore! Waouh, on dirait une robe de mariée. Ça tombe bien, je voulais lancer une mode. Voilà ton argent. Je suis enfin arrivée à la fête. Pourquoi personne ne fait attention à moi jusque-là? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'elle porte? Un sac? Pour qui elle se prend? Elle est en train de m'évincer. Pousse-toi, on veut voir cette robe. Je l'ai faite moi-même. J'arrive pas à croire qu'on soit seulement lundi. Oh! Waouh, ce garçon est trop mignon. Ah, c'est pas vrai, il me fait coucou. Salut. Pourquoi est-ce qu'il part par là-bas? Oh, mais quelle idiote! Oh, je sens que la journée va être longue. Oh, c'est quoi ça? Quelqu'un a dû le faire tomber ou un truc comme ça. Je l'ai trouvé, je le garde. Personne ne m'a vu le prendre de toute façon. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Waouh! On dirait que les choses vont enfin s'améliorer. Et pour une fois, tout est clair comme de l'eau de roche. Voyons comment les gens me traitent maintenant. Vous pensez que quelqu'un va me remarquer? Waouh! Je peux t'accompagner en cours? Oh, fais la queue, mec! Oh, non mais regardez-le planté là! Il ne sait même pas que j'existe! Qu'est-ce qu'il est intelligent! Je suis tellement amoureuse de lui! Oh, il a une copine? Hey! Qu'est-ce qu'il lui trouve, franchement? Sûrement plein de choses. Je pourrais jamais lui ressembler. Salut, bébé. Burk, pourquoi est-ce qu'il faut que je sois assise pile au milieu? Au moins, je suis près de mon amoureux. Dommage que je sois invisible à ses yeux. Oh, salut, beauté.
C'est pour toi, mon seul et unique amour. Tu peux lui donner? Hein? À lui, t'as compris? Bref. Tu m'as prise pour qui? Ton facteur? Et c'est quoi d'abord? Oh, t'es sérieuse? Je vais pas lui donner ça. Oh, ça craint. Tiens. Quoi? Oh, elle m'envoie des bisous. Cool. Mouah, voilà en retour. Comme si l'école n'était pas assez pénible. Oh, j'en ai vraiment marre de cette situation. Je t'aime, mais moi je t'aime plus. Oh, c'est épuisant. Est-ce qu'un jour je ressemblerai à ces filles super belles? Avec leurs lèvres pulpeuses? Et si je prenais le problème à bras-le-corps? Je vais redonner un peu de volume à mes cheveux. Oh, c'est une bonne idée, le rouge à lèvres. Il faut que je m'en mette une bonne couche. Magnifique. Maintenant, je vais les imprimer sur une feuille. Mes lèvres sont vraiment si fines. Je serai jamais tranquille. Fichu rouge à lèvres. C'est trop nul. J'arrive à rien avec mes cheveux qui se baladent partout. Une petite minute. Je pourrais m'en servir pour mes lèvres. Ça devrait aider à faire monter le sang. Voilà, c'est déjà mieux, je le sens. Plus qu'à attendre. Voilà, ça devrait être bon. Oh, c'est vachement mieux. Elles sont bien repulpées. Rien à voir avec mes petites lèvres toutes fines. Parfait, je reprends confiance en moi. Oh, encore ces deux-là. Je vois pas ce qu'il y a de si drôle, mais d'accord. Moi aussi, je peux jouer à ça. Hein? C'est quoi? Wow! Elle m'a envoyé un bisou! À plus tard, bébé! Wow, elle est nouvelle! Donne-moi ça! Mais non, bébé, c'est toi que j'aime! Ouais, je suis trop contente qu'on sorte enfin ensemble! Wow, merci! Tu veux qu'on s'embrasse? D'accord! Hein? Qu'est-ce que c'est? Il est déjà là? Oh non, j'ai raté mon réveil! Pourquoi il n'a pas sonné? Oh! Ouch! Il faut vraiment que je m'active! Oh non! Ma peau est horrible! Burk! Bon, c'est rien, je vais arranger ça. Il suffit que je mette des patchs anti-cernes. Quoi? Je vais me rincer le visage à l'eau froide. C'est gelé! Ça vaut le coup d'essayer, non? Adieu les poches! Ouh! J'ai toujours ma tête d'endormie! Y'a quelqu'un? Tiens, y'a quelqu'un à la porte? Je n'attendais personne pourtant. Oui? Entrez! Très bien, jeune homme, suis-moi. Tu n'as qu'à attendre là, d'accord? Fais comme chez toi. Mince! Pourquoi rien ne fonctionne? Je crois que je vais devoir y aller comme ça. Elles sont plutôt cool, pas vrai? Comment t'es arrivé là? Ouf, il ne m'a pas vue! Il me faut encore quelques minutes! Chérie? De quoi as-tu si peur, ma puce? Laisse-moi tranquille, maman! Les jeunes de nos jours! Dis-moi tout! C'est à cause de ma tête! Oh, je vois! Je suis déjà passée par là! Et j'ai exactement ce qu'il te faut! Mes copines et moi, on faisait ça tout le temps! Il suffit d'avoir un concombre et de quoi le trancher. Regardez. Une fois qu'on a ça, trempez-y du coton. Une moitié pour chaque œil. Une fois qu'ils sont bien imbibés, on va pouvoir les appliquer. Séchez vos larmes. Quoi? Tiens, tu devrais utiliser ça, chérie. Des patchs pour les yeux? Waouh! Ils sont tout frais en plus! Tu
tu veux bien sortir de ce frigo maintenant? Mes yeux vont déjà beaucoup mieux. Je pense que tu dois pouvoir les enlever. Alors? Wow! C'est bon, c'est parti! Bien, vas-y maintenant. Désolée de t'avoir fait attendre. Mais ça en valait la peine, non? Wow! Ils sentent vraiment très bon! Ah! J'espère que j'en ai fait suffisamment. C'est du bon travail! Quel chef-d'œuvre! Wow! Franchement, je suis trop canon! Ouvert ou fermé? Cette coiffure est vraiment au top! Wouhou! Mamie? Je t'ai fait des cookies, mon petit chat! Mamie, je vais à une fête, là! Peut-être plus tard, d'accord? Désolée! Comment ça, une fête? Tu vas vraiment sortir? Comme ça, tu es bien plus mignonne, ma chérie. Mamie, tu veux bien? Laisse-moi arranger ça. Oh, arrête, mamie! J'ai pas besoin de ton aide. Les jeunes n'ont aucun respect. J'ai cuisiné tout l'après-midi et pourquoi? Pour qu'elle aille à une fête? Oh non, elle a oublié son sac. Elle ne risque pas d'aller bien loin sans ça. Bon sang. Je crois que je suis au bon endroit. Ah, la voilà. Hé, attends, ton sac! Misère, mes jambes ne sont plus ce qu'elles étaient. Bonsoir, ma petite fille a oublié son sac. Je peux le lui apporter? Réservé aux élèves. Je comprends, mais c'est important. Un miroir? Mais pourquoi? Je ne comprends pas. Ce sont mes quelques rides qui vous effraient? Bon, très bien. Je ne peux pas croire de telles bêtises. Je voulais simplement aider. Oh! Une seconde, je parie qu'il y a du maquillage là-dedans. Bien, voyons voir. Oh, quel est cet engin? Ça a l'air de faire mal. Je vais quand même essayer. Finalement, ce n'est pas désagréable. Ma peau est beaucoup plus douce. Waouh, quelle aventure! Dites donc, j'ai plutôt bonne mine. Je vais le garder. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Un pullover? Hey, c'est confortable. Y a-t-il quelque chose d'autre dont je pourrais me servir? Oh! Une seconde, tu me dis quelque chose. J'arrive pas à me souvenir d'où. Bon, tant pis, vas-y. Wouhou! Mon petit chat. Hein? Mamie? C'est moi. Tu avais oublié ton sac. Et pendant qu'on y est, je me suis dit que tu en voudrais peut-être un. Mamie? Mais qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Ah! Finalement, on dirait que ça augmente ma cote de popularité. Ok, go! Oh, je peux pas! Moi non plus! Regarde ça! Ah, oh, arrêtez les gars! Je suis trempée! Qu'est-ce que vous faites? Oh, c'est nous qui avons fait ça? Désolée! Ça suffit! Toi et moi, c'est fini! Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Ça va aller, mon pote! Je vais aller au bal avec toi! À moins que tu y ailles avec cette fille! Elle, sérieusement? Vas-y! Bon, très bien. Il est temps de sortir le grand jeu. Hé, hey, comment ça va? Oublie ma question. Eh bien, bonjour, Pogos. J'arrive pas à croire que je fais ça. Tu veux aller au bal avec moi? Bien sûr, ce serait super. J'étais sûre que tu dirais oui. Ok, c'est parti. C'est trop génial! Un garçon m'a demandé de sortir avec lui. Et quel garçon! Oui, oui. Bon, allez, ne bouge plus. Oh, mon premier baiser! Quoi? Tu peux oublier. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Nous avons beaucoup de travail à faire. De quoi est-ce que tu parles? Quoi, t'es aveugle? T'as des boutons! C'est pas grave, je vais les éclater. Celui-ci a l'air juteux. Wow, stop! Mais... Je ne comprends pas! Il n'est pas nécessaire de les éclater. J'ai quelque chose pour toi.
C'est ici. Regarde ça. Ça résoudra tous tes problèmes de boutons. Mettons-nous au travail. Ça va faire mal? Oh, c'est une drôle de sensation. T'es sûr que ça va fonctionner? Fais-moi confiance. Ces boutons vont bientôt être de l'histoire ancienne. C'est le dernier. Waouh, j'en reviens pas. Ma peau est si douce. Qu'est-ce que t'en penses? C'est peut-être plus difficile que je ne le pensais. J'ai besoin de quelque chose pour les tâches. Ah, la plante d'aloe vera. Mère Nature ne nous laisse jamais tomber. Je prends cette feuille, ça fera l'affaire. Il me suffit de presser le gel. Le voici. Je le recueille dans ce bol. Je pense que tout y est. Je vais maintenant ajouter quelques paillettes. Ça permettra d'exfolier ta peau. Et ça ajoute un peu d'éclat. Ensuite, je mélange le tout. On y est presque. Je pense que c'est prêt. Cette recette marche à tous les coups. Qu'est-ce qu'on attend? Je ferais mieux d'enlever mes lunettes. Je tamponne le mélange sur tes imperfections. Heureusement que j'en ai fait beaucoup. On va en avoir besoin. C'est froid, mais c'est agréable. C'est comme un masque de beauté. Et maintenant, j'attends? On a assez attendu. Essuyons ça. J'aime les moments privilégiés qu'on vit. Alors? Waouh, quelle sensation incroyable! Ça fonctionne à chaque fois. Allons-y! Hein? Waouh, ma peau est éclatante! Elle n'a jamais été aussi belle. Les boutons ont disparu. Merci beaucoup. C'est l'heure du goûter. J'adore les nouilles. Quelque chose ne va pas? Je veux être belle pour le bal. Et je sais exactement ce qu'il faut faire. Donne-moi un instant. Laisse-moi finir mes nouilles. Qu'est-ce que tu fabriques? Surprise! Qu'est-ce que tu as fait? Tu vas aller à l'université des clowns? Ça te plaît pas? Je trouvais que c'était très classe. Reprenons depuis le début. Attends, je peux peut-être t'aider. Je dois avoir quelque chose là-dedans. Ça fera l'affaire. Olivia, regarde ça. Du ruban adhésif? Vraiment? Ne bouge pas. C'est un peu bizarre. Je vais placer le ruban adhésif autour de tes yeux, comme ceci. Je fais de même de l'autre côté. C'est très bien. Maintenant, j'ai besoin de fard à paupières. Ce bleu t'ira à ravir. Ça fera ressortir tes yeux. Je vais l'étaler dans le coin de la bande. C'est tellement simple et rapide. Ensuite, je décolle le ruban adhésif. C'est comme enlever un pansement. Et les résultats sont étonnants. Tu vas adorer. C'est comment? Mieux que ta tentative. Mais c'est pas tout à fait ça. Laisse-moi réfléchir. Oh, ma fourchette! Ce sera utile. Qu'est-ce que tu fais? J'ai besoin d'un pinceau. Je vais réaliser un chef-d'œuvre. C'est parti! Je passe le pinceau sur la fourchette, mais seulement à l'extérieur. Heureusement que personne ne voit ça. Maintenant, je peux enlever la fourchette. Je dois faire pénétrer le maquillage à l'aide d'un pinceau. Ça chatouille! C'est un excellent moyen de faire du contouring. Ça met vraiment tes traits en valeur. Il ne faut pas oublier les joues. Un petit coup de pinceau. Et puis un peu par là. Et voilà! Je suis un artiste. Jette un coup d'œil. Oh waouh! C'est vraiment moi? J'adore! T'es super douée avec un pinceau à maquillage. C'est quoi la prochaine étape? On n'y est pas encore. Il nous faut des vêtements neufs. Qu'est-ce que t'as là-dedans? Jetons un coup d'œil. Tu portes vraiment ça? C'est ma grand-mère qui l'a tricoté. C'est un classique. Je vais fouiller. Non, pas question. Hé, attention! Fais gaffe! J'aime bien celle-ci. Il doit bien y avoir quelque chose que je puisse porter. Je l'ai. Qu'est-ce que tu dis de ça? C'est la bonne. Tourne-toi, je dois me changer. T'aimes pas? D'accord. Oui, ceci fera l'affaire. Je vais me changer rapidement. Je me sens si bien. Mais je dois faire quelques modifications. Je passe mon bras dans le cou. Pareil avec l'autre. Jusque-là, tout va bien. Maintenant, je vais prendre les manches et je vais les enrouler autour de ma taille. Je vais faire un nœud dans le dos. Il me reste encore une chose à faire. Mes cheveux. C'est tout. Liam, tu peux regarder maintenant. Wow, j'en reviens pas. J'en reviens pas du tout. Qu'est-ce que t'en dis? T'es magnifique. C'est vraiment toi? Tu m'épates. Je suis contente qu'on fasse ça ensemble. Oui, moi aussi.
J'ai jamais pensé que je serais ici avec toi. Je m'amuse beaucoup. Il nous reste encore une chose à faire. Tu lis dans mes pensées. On dit que... Youpi! Je débarque en force, les gens! Et regardez mon nouveau véhicule! Bruyant et cher. Juste comme moi. C'est normal d'être jaloux. Ouh! C'était un trajet mouvementé. Toute cette pluie n'a pas aidé. Mais je fais ce que j'ai à faire. Oula! Oh, salut! Laisse tomber. D'accord. À plus! Super, la discussion. Je suis tellement jolie et riche. Oh mince! La journée commence bien. Peu importe. Non, reste éveillée. C'est interminable. Et voilà, quelqu'un baille. Oh, désolé, monsieur. On vous écoute. Cette partie est très importante. J'ai des briques à la place des paupières. On se réveille. Je reposais simplement mes yeux. Assez, je vous ai à l'œil. Concentrez-vous, d'accord? D'accord. Je déteste vraiment être ici. Ces bureaux durs, c'est trop pour moi. Entre en scène, mon doux oreiller pailleté. C'est tellement agréable. Je peux aussi me mettre à l'aise, tu sais. De beaux livres bien durs. Oh ouais. Et voilà. Alors comme ça, on fait une soirée pyjama. Réveillez-vous, élèves paresseux. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Bon sang, je suis réveillée, ok? Oui, maintenant au travail. Ils ne me payent pas assez pour ça. J'en ai assez de secours. Oh, si rapide. Merci, gardez la monnaie. Voilà qui est mieux. Je dois avoir l'air réveillée et concentrée. Bonne nuit. C'est du génie. Je ne peux pas me permettre quelque chose comme ça. Mais la créativité est gratuite. Je me lance. Ouais, je vois clair maintenant. Oh ouais, ça va marcher. Bonne nuit. Hé, est-ce qu'ils sont réveillés? Bien, j'ai finalement réussi à leur faire entendre raison. Ils me remercieront plus tard. Mais où sont donc ces enfants? Pas si vite. Quoi? Quoi? Tu connais les règles. Pas de téléphone. Oh. Est-ce que ceci change quelque chose? Eh bien, je suppose. Enfin. Chouette. Attends. Hein? C'est quoi cette fois? Tu ne peux toujours pas apporter ton téléphone. Oh. Et dire que je vous ai donné un lingot d'or. Quel nul. Ouah! Qu'est-ce qui se passe? Oh non! Ah! Hein? Des crayons? Et il y en a tellement en plus! Je sais! Regarde et apprends! Je te présente le camouflage avec des crayons de couleur. Tu vois comme il forme un mur. Enroule-les simplement autour de ton téléphone. Ça m'a l'air assez innocent. Hé, professeur, je suis de retour. Ah oui! Juste moi et mes crayons. Allez, vas-y. Si vous le dites. Qui d'autre va venir? Ouf! Qui est-ce? Il vérifie les téléphones? Attends. Heureusement que j'ai un plan. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Moi? T'en as un sur toi? Certainement pas ici. Qui te crois malin? Nous verrons ça. Qu'est-ce que c'est? Une sorte de babiole en carton? Je suis désolée, veuillez m'excuser. Au revoir. Qu'est-ce qui vient de se passer? Waouh, vous avez vu tous ces jouets? Oh, génial! Un robot! C'est trop cool! Maman, maman, maman! Qu'est-ce que tu veux? Je peux avoir le robot? Si tu veux. Tu n'en as pas déjà un comme ça? Bonjour, je voudrais ce robot super méga génial. Une seconde? Regardez ça!
Vous aussi, vous voyez ce que je vois? Maman, j'ai changé d'avis. Je veux la poupée qui fait peur. Non, on rentre à la maison. Mais, et la poupée? Waouh, ce gamin est une vraie plaie. Qu'est-ce qu'il se passe? J'aime pas ça. Ah, ça fait du bien. D'où est-ce que tu sors? Tu n'es que le fruit de mon imagination. C'est trop bizarre. On s'appelle? Oh, je travaille beaucoup trop. C'est pas juste, maman. Tu as ton robot, non? Ouais, c'est vrai. Mais je voulais vraiment la poupée. Eh bien, la vie est pleine de déceptions. Hein? C'était quoi? Il y a quelqu'un? Maman, c'est toi? Waouh! Une seconde! Pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça? N'aie pas peur, Liam. Oh non! Il faut que je me cache. Mais où? Mince, comment je vais faire? Te voilà, je te cherchais. Qu'est-ce que tu veux? C'est la fin, c'est ça? Je veux ma maman! Liam, qu'est-ce que tu fais? Je ne vais pas te faire de mal. Allez, viens, donne ta main. C'est promis? Allons-y. T'as l'air gentil. Je déteste la poussière. Je vais faire un brin de ménage. Qu'est-ce qu'il reste à nettoyer? Oh non, regardez-moi ce bazar. Liam ne range jamais ses Legos. Scanner activé. Ça ne va pas le faire. Activation du protocole de rangement des jouets. C'est déjà mieux. Ça commençait à m'angoisser. Au moins maintenant, on voit le tapis. Mais pour combien de temps? Je vais ranger les Legos ici. Mais je n'ai pas dit mon dernier mot. Je dois terminer de faire la poussière. C'est reparti. Une maison bien ordonnée, c'est plus agréable. J'ai presque fini. Oh non! J'ai perdu les cheveux de ma figurine. Il n'est pas terrible sans ses cheveux. Oh, ils sont peut-être là-dedans. Je vais regarder. Il faut juste que j'arrive à l'ouvrir. Comme ça, on y verra plus clair. Une seconde, ce serait pas ça? C'est exactement ce que je cherchais. Pas mal! Tu es prêt à retourner combattre les méchants? Wouh! En avant! Tiens, j'ai cru entendre Liam. Qu'est-ce que... Je viens de ranger ces Legos. Je ne suis pas d'accord. Je ne connais qu'une personne capable de faire ça. Liam! Allez! Hé! Viens ici! D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Ne bouge pas. Je vais m'amuser un peu. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est pourquoi ça? Je vais t'entourer de scotch, mais je vais mettre le côté qui colle à l'extérieur. Ouh, j'ai la tête qui tourne. Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Ouh, où est-ce que je suis? Laisse-moi t'aider. C'est parfait, tu as ramassé tous tes Legos. Hé, t'as vu ça? Je suis recouvert de Legos. C'est génial. Je me suis bien amusée. Ah, la maison est enfin propre. Hé, tu veux jouer à un jeu? Allez, viens. J'aurais dû songer à ça. Allez, t'es pas marrante. Il y a toujours quelque chose à nettoyer. Mais bon, ça pourrait être pire. Je pourrais encore être au magasin. Le sol est tout propre. Je vais mettre un panneau. On n'est jamais trop prudent. Je suis assez contente de moi. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Ce jeu est trop bien. J'espère que je vais arriver à le terminer. Oh, qu'est-ce que... Joli pas de danse. Hé, j'ai le rythme dans la peau. Hop, ouais. Tchou, j'ai eu chaud. Tiens, c'est quoi? Ah, d'accord, je comprends mieux. Ça me donne une idée. Ça va être dément. Ici, ce sera parfait. Attention! Glissez! Waouh! C'est le plus beau jour de ma vie. Oh oh! Je n'aime pas ce bruit. Pas de panique. J'arrive! Liam, est-ce que ça va? Apparemment pas. Au secours! Aidez-moi! Oh. Salut! Oh, Liam, qu'est-ce que tu as fait? Donne-moi cette chaussette. Je crois que j'ai une idée. On dirait bien que le panneau n'était pas suffisant. Heureusement, j'ai la solution. Je prends un pistolet à colle et je dessine un cœur en dessous de la chaussette. J'en fais un autre juste ici. Qu'est-ce qu'il manque? Ah, je vais également faire deux points. Je fais la même chose sur l'autre chaussette. Regarde, j'ai fait ça pour toi. Ça t'évitera de glisser. Des chaussettes? Waouh, merci!
D'accord, je veux bien essayer. Oh, c'est agréable. Je vérifie que ça marche. Hé, c'est pas mal. Je peux en avoir plus? J'ai trop faim. Tout vient à point à qui sait attendre. Ouais, c'est ça, c'est tout. C'est ça qui t'a pris autant de temps? Vas-y, goûte. Je suis obligée. J'en veux pas. Allez, mange. Non, j'ai pas envie. Bon, comment je fais maintenant? Je reviens. Ok, prends ton temps. Burk, dégueu. On va essayer quelque chose de nouveau. Il faut juste que j'installe ça. Hé, ce seraient pas les rails de mon train? Je comprends pas. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas vite le savoir. Je vais fermer le circuit. Voilà, c'était le dernier rail. Il ne manque plus qu'un détail. Le train, voilà, c'est mieux. Il nous faut une voiture pour les passagers. J'adore les trains. Je les accroche les uns aux autres. Et n'oublions pas les habitations. Et quelques arbres. Oh, ces panneaux sont parfaits. Ouais, c'est assez chouette. Ce train transporte quelque chose de spécial. Des pots de sauce. Quoi? J'en reviens pas. Tous les trains devraient avoir un wagon restaurant. Ça a l'air bon. Hé, où est-ce que tu vas? Je vais chercher les chips. Je sais que ce sont tes préférés. Tu me connais par cœur. Le train doit quitter la gare. Chouchou, c'est parti. Waouh, c'est hallucinant. Oh, génial. Je vais goûter cette sauce. C'est bon. Si seulement tous les repas pouvaient être comme ça. J'adore, c'est trop bien. J'étais sûre que ça marcherait. Je vais retenter le coup. Il arrive. Et voilà ton repas. Je vais les mettre au milieu. Et je veux que ces assiettes soient vides. Compris. Oh, les fruits ont l'air bons. Je regrette de ne pas y avoir pensé plus tôt. Je pourrais faire ça toute la journée. Vous savez quoi? C'est ce que je vais faire. Les sauces arrivent. Ma petite princesse. Ravie de vous rencontrer. Oh, tu es sacrément enthousiaste. Finissons-en si vous voulez bien. Waouh, quelle tête elle fait! Je crois que ça va être compliqué, papa. Oh là là, il faut que j'y aille. Je compte sur vous pour veiller sur ma petite fille. Avec grand plaisir. Il vaut mieux que le compte y soit, sinon... Youhou, je t'aime, ma chérie. Je vais à la plage. Je suis sûre que vous allez devenir les meilleurs amis du monde. Je ne pense pas, non. Hors de question, il n'y a pas moyen. On ne s'amuse pas comme des folles. Rien ne vaut un bon film. Je m'ennuie à mourir. Oh, mon estomac gargouille. J'ai faim. Hein? Qu'est-ce que tu as dit? Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Je reviens tout de suite. Où va-t-elle? Qu'est-ce qu'elle est énervante? Je t'ai apporté de la nourriture. Que dirais-tu d'une carotte bien croquante? Tu plaisantes, j'espère. D'accord. Une tomate? Burk? Une pomme? Ça pourrait le faire. Elle a l'air bonne. J'adore les pommes. Ah! Ma dent! Ok, c'est original. Est-ce que j'ai l'air cool et dangereuse? Ah! Pas de panique! Je vais appeler le dentiste. Hé, détends-toi. J'aime bien ce nouveau look. C'est quoi son problème? Je suis toujours obligée de tout faire. Donne-moi ça. Qu'est-ce que tu fais? Tu es sur le point de le découvrir. Ne bouge pas. Je ne vise pas très bien. Mais je me suis entraînée. Stable? C'est tout ce que tu peux faire? Je suis sûre que tu vas réussir la prochaine fois. Celui-là ne compte pas. Je vais la voir cette fois-ci. Je n'ai jamais aimé cette bougie de toute façon. Tu es assez mauvaise quand même. Je ne suis pas douée sous pression. Rendons le défi plus intéressant. Voilà. Waouh! Attends une seconde! Comment t'as fait? Qu'est-ce qui se passe? Ah! Je dois faire quelque chose! Tu viens avec moi! Nous ne pouvons pas risquer que cela se reproduise. Ce coupe-pomme va résoudre le problème. Cette pomme ne sera plus un danger pour Shelly. Je mets la pomme ici. Ensuite, je place le coupe-pomme dessus. Maintenant, j'appuie. Et ça coupe la pomme en morceaux. Regarde ça! Tiens! Waouh, c'est plutôt cool! Attends, tu veux ma photo? Ne regarde pas mon biscuit comme ça. Attends, moi j'ai une pomme et elle des biscuits? C'est pas juste. Mais
Bon, ça fait plus de pommes pour moi. C'est enfin arrivé. C'est l'anniversaire de Shelly. Il y a plein de choses à préparer. N'est-ce pas passionnant? N'exagérons rien non plus. Ce ballon sera parfait ici. Il faut que tout soit beau et coloré. Et nous avons besoin d'un délicieux gâteau. Joyeux anniversaire! Vous avez fait ça pour moi? Waouh, je n'arrive pas à y croire! Les décorations de la fête sont... intéressantes. Nous l'avons fait nous-mêmes. J'espère que ça te plaît. Après tout, c'est ta journée spéciale. J'imagine que je dois faire un vœu. Ça y est, j'espère qu'il se réalisera. Youhou, c'est l'heure de faire la fête. On va bien s'amuser. Oh, j'ai failli oublier. J'ai quelque chose pour toi. Je l'ai choisi moi-même. Waouh, tu n'aurais pas dû. C'est vraiment pour moi? Je me demande ce que c'est. Oh, c'est une poupée Barbie. Tu n'aurais pas dû. Sérieusement, tu n'aurais pas dû. Moi aussi, j'ai un cadeau. Tu vas l'adorer. C'est bien mieux qu'une poupée muette. D'accord. Ce n'est pas vivant, n'est-ce pas? Je deviens nerveuse. Qu'est-ce que... C'est un crâne! Ah! Hein? J'ai changé d'avis. Je te le laisse. Mais je l'ai faite moi-même. Ça vient du cœur. Je n'ai besoin de rien, crois-moi. D'accord, je le garde pour moi. Tu rates quelque chose. J'aurais adoré une guillotine quand j'avais ton âge. Il suffit de regarder ce travail artisanal. Quoi? Une guillotine? Qu'est-ce que c'est censé faire? J'attendais que tu me poses la question. Laisse-moi te montrer. J'ai besoin d'une victime. Je veux dire, d'un volontaire. Mets-toi à l'aise. Cela risque de piquer un peu. Prêt pour la partie la plus cool? Ma poupée! Tada! C'est une nette amélioration. Qu'est-ce que je viens de voir? C'est... trop cool! C'est une blague? Oh. Aïe, ça doit faire mal. Je vais bien, je vais bien. Non, je ne vais pas bien. Et la courageuse princesse sauva le pauvre prince effrayé. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. J'ai du mal à garder les yeux ouverts. Cette histoire est ennuyeuse à mourir. Oh, elle est adorable. Mon cœur est plein d'amour. Fais de beaux rêves. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un? Shelly, viens avec nous, Shelly. Moi. What? Non, ne t'approche pas. Je pratique le karaté. Oh! Quoi? Shelly, oh non, il ne lui arrivera rien tant que je suis là. C'en est fini pour toi. Montre-toi. Hein? Donne-moi ça. Surprise. Sors d'ici! J'essayais juste d'aider. Je suis folle de rage. Oh, tout va bien. Attends, ne me quitte pas. Je ne veux pas rester toute seule. Laisse-moi réfléchir. J'ai peut-être quelque chose dans mon sac. Voyons voir. Comment est-ce arrivé là, ça? Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, Chris. Fais comme si tu n'avais rien vu. Attends, de la mousse à raser? Il pourrait y avoir d'autres monstres. J'ai une idée. Je vais devoir faire une petite modification. J'espère que ça va fonctionner. Regarde ce que j'ai. C'est un spray anti-monstre. Les monstres en ont horreur. C'est vrai? Ça existe? Est-ce que ça marche? Stop! Ah! Prends ça! Pose ce spray immédiatement. Ok, je l'avais peut-être mérité. Je pensais que tu étais... Oups. Peu importe. Désolée. Ça sent bon. Non, je vais vomir. Ne salis pas tout. Ok, c'était plutôt drôle. Je l'ai bien eu. C'est vrai. Mais qu'est-ce que... Hé, réveille-toi, hein? Résous cette équation. Moi? Vous plaisantez? Je ne suis pas si intelligente. Ou je le suis? J'ai une idée. J'espère que ça va marcher. Je vais aspirer toutes les connaissances dans cette seringue. Waouh, c'est un beau paquet d'informations. Et il est tout à moi. Waouh, ça me monte à la tête. Allons-y. Tu as intérêt à le faire correctement. Aucun problème. C'est tout ce que vous avez à me donner? C'est trop facile. Non, ce n'est pas possible. Peut-être que je t'ai mal jugé. Un autre jour d'école. Je ferais mieux de prendre mes livres. Le cours va commencer. Ah! Oh, mon devoir. Laisse-moi t'aider. Merci. Désolée pour ça. C'est
pas un problème? Ça pourrait... Aïe! Pas encore? Je ne peux pas faire ça toute la journée. Je sais! Allons-y! C'est pour toi! Waouh! Comment tu as fait ça? Eh bien, c'est l'heure d'un flashback. Je dois aider Jasmine et ce stylo 3D va m'être utile. Je commence par dessiner une spirale. Puis, je fais preuve de créativité. Je laisse libre cours à mon artiste intérieur. Cette fois, je vais opter pour les choses classiques. Rien ne peut égaler un trombone. Je sais qu'elle adorera ça. C'est plutôt sympa. Que diriez-vous d'une étoile? Elle obtient toujours les meilleures notes. Une étoile pour une star. Ça devrait aller. Maintenant, je vais les accrocher au papier. C'est assez facile, vraiment. Allons en cours. Faites attention, tout le monde. La leçon commence. Je veux que vous créiez ça. Qu'est-ce que vous attendez? Le temps est compté. Tic-tac, les gens. Ah! Je ne travaille pas bien sous pression. Allons-y. Ça ne devrait pas être trop difficile. Tout se passe bien. Je ne peux pas laisser Jasmine me battre. C'est ce que tu penses? Ah! Mon crayon s'est cassé. C'est un désastre. Oh. Mon crayon s'est aussi cassé. Professeur, vous avez toujours de quoi vous plaindre, les enfants. Tenez, utilisez ça. Attrapez. Allons-y. Dansons. Allons-y. Tu ne gagneras jamais. Nous verrons bien ça. Je suis une machine à tailler les crayons. Maintenant, je peux terminer le dessin. Le temps est presque écoulé. Posez vos crayons. Montrez-moi vos œuvres d'art. Regardez ça. Très bien. Très créatif. Attendez. C'est quoi ce désordre? Je n'ai jamais vu un tel gâchis. C'est un scandale. Vous devez être fiers de votre travail. C'est un scandale. Commençons. Tu fais face à la mauvaise personne. Pas. Pour qui tu te prends? Comment il fait? Oh non, il s'en tire bien. Je sais quoi faire. J'ai besoin de ruban adhésif. Passons à la vitesse supérieure. Oh ouais, ça va beaucoup mieux. J'ai réussi. Je suppose que je gagne. Je n'ai pas besoin de ça. Quoi? Oh, voyons donc. J'ai perdu. Pas possible. Tu devrais jeter un œil à cette chaîne. Alors, Shakespeare a tenté de... Vous m'écoutez? Tellement drôle. Ça a l'air bien. C'est ça. Je vais leur montrer. C'est l'heure du test. Elle doit plaisanter. Je déteste quand elle fait ça. Heureusement que je suis préparée. Toutes les réponses sont ici. On va certainement s'en sortir. Je ne pense pas. Non? Sérieusement? Pourquoi? Elle peut être si méchante. Je m'y attendais. Alors j'ai tout copié sur mon téléphone. J'ai toujours un pas d'avance. Je suis tellement intelligente. Oh, bonne idée! Les téléphones ne sont pas autorisés. Rangez-les. C'est ridicule. Ça valait la peine d'essayer. J'ai une idée. Je vais le mettre dans ma trousse. Je suis tellement sournois. J'aurais dû y penser plus tôt. Qu'est-ce que je fais? Un instant. Je sais. Je vais couper un morceau de papier et ensuite je le colle à mon téléphone. Ça fera l'affaire. Je le place dans mon cahier. Il passera inaperçu. Qu'est-ce qui se passe ici? Un téléphone? Tu connais les règles. Je peux expliquer. Qu'en est-il de Jasmine? Pas de tricherie par ici. D'accord, c'est bien. Je vais te surveiller, Justine. Ça a marché. J'ai terminé la correction. Tenez. J'espère avoir réussi. Non, ce n'est pas possible. J'ai eu un F. Waouh, c'est incroyable. J'ai eu un A+. Ma mère va être en colère. J'ai beaucoup étudié. Attends, je pense que je peux réparer ça. Il me faut juste ce papier mousse. Je vais en découper une bande. Ça devrait être la bonne taille. Je fais la même chose avec l'autre papier mousse. Je vais les faire de tailles différentes. Maintenant, je dois les plier. Je veux créer un arc. Je vais ajouter des nuages, puis je vais dessiner un visage heureux. Je vais coller un stylo dessus. C'est merveilleux. Ça remontera le moral de n'importe qui. C'est pour toi. Vraiment? Tu as fait ça? Waouh, j'adore.
Les choses ne semblent plus si mauvaises maintenant. Je m'en fiche de ça. Ce n'est qu'une note. Ça va à la poubelle. Essayons encore une fois. J'ai un bon pressentiment à ce sujet. C'est la bonne attitude à avoir. Je m'ennuie tellement. J'ai hâte au cours. J'ai mon nouveau cahier. Il est tellement doux. Waouh, regarde ça. C'est glorieux. Toutes mes notes sont en sécurité. Personne ne peut les copier. Je l'adore. J'ai besoin d'un relooking de cahier. Peut-être qu'il y a quelque chose dans mon sac que je peux utiliser. Un dinosaure? Non. Oh, ce truc brillant. Je ferais mieux de garder ça. Qu'est-ce que tu fais? Il n'y a que des déchets. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Oh, mes Lego. Attends, ça fera l'affaire. Mettons-nous au travail. Je vide les pièces. J'ai de grands projets pour ça. J'assemble les pièces ensemble. Je veux faire un cadenas. Tout comme ça. C'est ma clé. Ça me semble solide. Ça peut aller sur mon cahier. Il est beau et sécuritaire. Jette un coup d'œil à ça. Est-ce que c'est du Lego? Oh! Et le professeur était genre blablabla. Ouais, il est tellement ennuyeux. Hein? Je sens des gypses. Oh oh! Cache les encas! Sois cool! Peut-être qu'il n'a pas remarqué. Rien d'intéressant ici. Aucune collation n'est permise. Des collations? Nous? On ne ferait jamais ça. Je vous surveillerai. Ouf, on l'a échappé belle. Hein? Où sont passées mes chips? C'est étrange. Mon soda est vide. Qu'est-ce qui se passe? Non, tu plaisantes! Oh, ça sent mauvais! Pauvre Jasmine! Oh, j'ai une idée! Je vais couper le haut de la bouteille, ensuite j'enveloppe la partie inférieure avec du papier. Maintenant, je dois faire de petites coupures au bout. Je vais les garder espacées. Ça me plaît. Je vais les plier. Je vais faire ça tout autour. Ça maintiendra le papier en place. Ensuite, j'aurai besoin d'un couvercle. J'en mets un à chaque extrémité. Il est temps de le décorer. Je le veux mignon, c'est tout. Oh, c'est adorable. C'est pour toi. Hein? Waouh! Je ne peux pas croire que tu aies fait ça. C'est exactement ce dont j'ai besoin. Waouh, c'est incroyable! Merci, Justine! Sortons d'ici! Bonne idée! Commençons! Vous aurez besoin de ces pinceaux. D'accord. Ouais, c'est un pinceau. C'est l'heure de peindre. J'ai besoin de ne faire qu'un avec le pinceau. C'est une extension de moi! De quoi il parle? Je vais juste peindre quelque chose. Mais quelle couleur utiliser? Bof, celle-là a l'air bien. Elle est tombée. Oups, j'ai gaffé. Je suis tellement maladroite. Oh, c'est tout ce dont j'ai besoin. Professeur, je dois me laver. Ah, bien sûr. Je reviens tout de suite. Oh, c'est tellement salissant. Je ferais mieux de me laver. Ça va tout tacher. C'est pourquoi je ne peins pas. Ça ne prendra pas long. Ce savon sent bon. Tout a disparu. Attends, ça pourrait être utile. Ouais, je sais quoi faire. Ah, tu es de retour. Ouais, et j'ai apporté des fournitures. J'ai besoin de cette palette. J'ai rempli la bouteille de peinture, donc plus de gâchis. Maintenant, je peux créer mon chef-d'œuvre. Comment ça se passe? Bien, c'est fini. Arrêtez ce que vous faites. Je pense que vous serez surpris. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une magnifique licorne. Bravo, superbe. Waouh, tous les gens dans ce magazine sont super glamour. Quelle chance ils ont! Comme j'aimerais être aussi cool! Tiens, qu'est-ce que c'est? Pas possible! Neuf, faut que t'arranges tes sourcils! Va chercher une pince à épiler tout de suite! Ce magazine vient de m'insulter ou je rêve encore? C'est pas si moche que ça, hein? Peut-être qu'elle a raison en fait! Mais que faire? J'ai pas de pince à épiler! Oh, tiens, ma trousse! Je vais peut-être trouver quelque chose d'utile à l'intérieur. De la colle? Non. Ah, une brosse à sourcils! Non, ça ne marchera pas non plus. Il n'y a qu'une seule chose à faire. Il faut que j'aille dans un magasin. Waouh, il y a vraiment beaucoup d'articles! Ils doivent bien avoir des pinces à épiler. Mais où? Ah! Waouh! Il y en a plein! Je vais prendre celle-ci. Je suis sûre qu'elle fera l'affaire.
J'aurai bientôt 2 sourcils. Quelle journée! Je voudrais acheter ça, s'il vous plaît. Bien sûr, vous voulez... Waouh! C'est suffisant? Non, elle coûte 50 euros. 50 euros la pince à épiler? J'ai pas assez d'argent. Écoute, je peux peut-être t'aider. Tu peux utiliser des pièces pour épiler tes sourcils. Fais-moi confiance. D'accord, mais ça fait mal. Tu le sauras bien assez vite. Tu n'as qu'à pincer les pièces et elles arrachent les poils. Elles te débarrasseront de cet excès de poils en un rien de temps. Heureusement qu'on a un aspirateur dans la réserve. Je crois que c'est bon. Regarde. Waouh! Incroyable! Merci! Pas de problème. Presque fini. Voilà, maman dit qu'il faut que je prenne soin de mes cheveux. Oh, un énorme bouton! Non, il ne faut pas le percer. Peut-être juste un petit peu. Burk! Mais c'était génial. Je ferais mieux de nettoyer ça. Ouh, on dirait de la crème. C'est bien mieux. C'est l'heure du dodo. Ah, comme c'est douillet. Ah, j'ai super bien dormi. Mais j'y vois rien du tout. Où sont mes lunettes? Voilà qui est mieux. Non, pas du tout mieux. Je suis couverte de boutons. Pourquoi tu cries, ma chérie? Oh, je veux dire, bonjour, chérie. Je suis horrible. T'inquiète, on va t'arranger ça. Il nous faut juste un peu de maquillage. Ne te fais pas de soucis. Avec du fond de teint, le problème sera vite réglé. Tu crois que ça va marcher? Non. Pas question! Voyons ce qu'on a d'autre. Ouh, je crois que ça va faire l'affaire. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des patchs à boutons. Ils sont vraiment très pratiques. Je vais les appliquer sur tes boutons. Heureusement qu'on en a autant. On va tous les utiliser. C'est tout? Non, on n'a pas encore terminé. C'est bon, on peut les enlever. Ils font disparaître les boutons. Fini l'acné. Regarde. Waouh! Mais c'est vraiment magique! C'est super! Merci, maman! Pas de problème, ma chérie. Je t'aime tellement! Super match, les enfants! Allez, tout le monde à la douche! Ouh là là! Que je sens mauvais! Ça va être agréable! Dépêche-toi! Je les ai! Ah! Je me sens mieux! Oh oh oh! Déguerpissons! Hey! C'est bizarre! Enfin! Je ferais mieux de m'habiller! Je ne peux pas me promener comme ça toute la journée! Hein? Mes vêtements? Ils ont disparu! Oh non! Qu'est-ce que je vais faire? Je sais! Je vais prendre ça! Et ça aussi! Pas trop mal! Vous imaginez? Concentre-toi! Qu'est-ce que je vais bien pouvoir me mettre? Ouh! Peut-être que ce tapis de yoga peut me servir! C'est la bonne longueur! Oups! J'espère que personne n'a vu ça! C'est tellement gênant! Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Super! Exactement ce dont j'ai besoin! Mais il ne faut pas qu'on me voie! Encore un peu! Waouh! Lisez un peu ses muscles! J'aurai peut-être un jour un petit ami musclé! Presque arrivé! Hé! Psst! Bon bah, j'ai qu'à me servir! Voilà qui est mieux! Mais je n'ai toujours pas de pantalon! Il me faut une idée! Je sais! Je vais utiliser ces ciseaux! Je vais découper le suite au milieu! Il faut faire bien attention! Pas mal du tout! Maintenant, je n'ai plus qu'à le retourner! Et ça me fait une nouvelle jupe! Il faut juste serrer un peu! Et puis ajouter une ceinture! C'est super joli! Peut-être que je devrais en faire mon métier! Ah, maintenant, je peux aller en classe! On lui a fait une super farce! Pas possible! Comment est-ce qu'elle a fait ça? Hein? Qu'est-ce qui est arrivé au mannequin? Je crois que je préfère ne pas savoir! Ah, une cliente! Bonjour!
Hey. Qu'est-ce que je vais prendre? Je voudrais ce gâteau, s'il vous plaît. Okay. Où est-ce que je vais m'asseoir? J'adore le gâteau. Oh, c'est Alex. Salut. Il est tellement drôle. J'espère qu'elle ne m'a pas vue. Je peux m'asseoir avec toi? Désolée, cette place est occupée. Par mon sac, tu vois? Ah, d'accord. C'est pas grave. C'était pas gentil. Tiens, je t'offre une seconde part de gâteau. Je ne sais pas si je devrais... J'en veux plus! Tout a commencé avec une part de gâteau gratuite. Le plus beau jour de ma vie! Non, 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 merci! Je voulais juste te consoler un peu. Waouh! Ton maquillage est magnifique! Oh, merci! Tu peux me montrer comment faire? Il te faut juste une cuillère et une fourchette. Tu dis ça pour plaisanter, n'est-ce pas? Non, tu vas voir. Place la cuillère sur ton œil. Ensuite, passe ton pinceau coloré au-dessus de la cuillère. Tu n'as plus qu'à remplir le reste. C'est vraiment super facile. Et maintenant, la fourchette. Tu la tiens comme ça. Et tu passes ton pinceau entre les dents. Ça crée un super effet égyptien. Maintenant, tu n'as plus qu'à suivre la ligne de ta paupière. C'est vraiment superbe. Voilà, terminé. Je vais me recoiffer. Waouh, c'est super joli. Je me sens si belle. Merci. Pas de problème. Vas-y. D'accord. Salut, Alex. Wow. Gabi, je ne t'avais pas vue. Tu veux venir avec moi à la fête? Ah, ça a l'air intéressant. Ouais, pourquoi pas? J'ai un record. Génial, il n'y a personne aux alentours. Ça fait longtemps que j'attends ça. Salut, je suis là. Il attend. Approche-toi. Ne bouge pas. Incroyable. Je suis comment? Magnifique. Je me sens mieux. C'est vraiment une règle idiote. Plus besoin de ça. Concentrez-vous bien. Ça sera dans le contrôle. Je déteste les cours de maths. La prof est occupée. C'est le moment ou jamais. Où est-ce qu'il est? C'est passionnant, les maths, non? Allez! C'est bon! Je l'ai! Ashley? Oh oh! Bonjour! Qu'est-ce que tu fais? Moi? Rien? Je te surveille. Phew! C'était moins une. Il faut que je sois rapide. Non, ce n'est pas ça. Ah ah! Personne ne se doute de rien. Ashley! Main sur le bureau. Voilà. Vous êtes contente? Arrête de faire n'importe quoi. Oula! Elle est de mauvaise humeur. Mais elle ne m'a pas interdit de bouger les pieds. Là, je suis contente de faire du yoga. J'y suis presque. Ce n'est pas évident. Oh non! Encore toi, Ashley! On continue! Ok. C'était vraiment proche, mais au moins j'ai mon maquillage. Attends, cette boîte de crayons me donne une idée. Ça pourrait marcher. Enlève le couvercle et les crayons de la boîte. Dépose de la colle sur la pointe d'un petit crayon et colle le crayon au couvercle. Fais ça avec d'autres crayons. Jusqu'à ce que le couvercle soit entièrement recouvert, ensuite range ton maquillage dans la boîte. Mets tout ce dont tu as vraiment besoin. Puis remets le couvercle. Ma petite trousse à maquillage pour les cours. Et personne n'en saura rien. Hé, c'est du maquillage. J'ai tout ce qu'il faut là-dedans. C'est parfait pour une petite retouche. Plutôt malin, non? J'adore l'idée. Je suis allée faire les magasins et j'ai trouvé la palette d'ombre à paupières la plus jolie du monde. Je suis trop jalouse. Tu veux la voir? Regarde, elle est dingue. Oh, j'adore les couleurs. J'aimerais avoir la même. Tu peux l'utiliser, t'inquiète. Merci. Oh, bonjour, monsieur. Vous êtes en retard. À votre cours, les filles. Pas de maquillage? Il y a quelque chose qui ne va pas? Non, rien du tout. Qu'est-ce que tu as dans le dos? C'est juste ma main. Il y a quelque chose de louche. Fais-moi voir. Non!
Je n'ai rien dans mon dos. Donne-moi ce que tu tiens. Bon, d'accord. Mon maquillage. Ashley, lâche. Mais c'est à moi. Bon, c'est gênant. Toi, tu vas en cours. Désolée. Lâche, Ashley. Génial. Une distraction. Quelle est immature. Pour garder la palette de maquillage en lieu sûr, il faut s'attaquer au livre. Prends une paire de ciseaux pour découper un trou dans un livre. Il faut que ce soit de la même forme que la palette. Ensuite, colle les blocs de poudre sur la page. Comme ça. Ajoute quelques décos pour que ce soit plus personnel et pour camoufler le maquillage. Avec ça, tu peux aller en cours. N'avance pas plus. Tourne-toi. Pas de maquillage. C'est bien. Tu peux y aller. Génial. Enfin, d'accord. Salut. Ça va? On ne peut mieux. Waouh! Eh oui, j'ai juste besoin d'un pinceau. Et maintenant, je peux me maquiller. Si on m'avait dit que les livres de cours pouvaient être si utiles. Tu es superbe! Tu veux lire mon livre? Madame, j'ai fini le contrôle. C'est vrai? Vous allez être impressionnée. C'est ce qu'on va voir. Effectivement, beau travail. Fais comme si de rien n'était. Merci. Qu'est-ce que tu as sur le visage? Quoi? Je ne vois pas de quoi vous parlez. C'est du maquillage? Non, il faut que j'y aille. Attends, tourne-toi. Je n'ai pas de maquillage. C'est louche. Tu peux y aller. Je me sens bien. Waouh! Comment elle fait pour être si belle? C'est juste naturel. Si elle connaissait mon secret, petit retour en arrière. Elle est occupée. Heureusement que j'ai préparé ça tout à l'heure. Prends une gomme et découpe un coin avec des ciseaux. On a juste besoin d'un petit bout. Ensuite, mets de la colle sur un coton-tige et colle la gomme sur le coton-tige. Ensuite, mets du mascara sur la gomme. Recouvre entièrement la gomme. Voilà, comme ça. Je vais passer la gomme sur mes paupières. Et de l'autre côté, parfait. Voilà, bien joué. Je mériterai un A pour la peine. Où est-ce que je m'assois? Ce bureau m'a l'air bien. Non! Ne t'assois pas là! Il faut que je me dépêche. Hors de ma route! Bouge, intello! C'est mon bureau! J'étais là d'abord. Trouve-toi un autre bureau. Tu es sérieuse? Ok. Tu vas voir ce que tu vas voir. Donne tout ce que t'as. Tu es morte. Pierre, feuille, ciseaux. Partez! Oh, d'accord. Ouais, j'ai gagné. Désolée la nulle. Ashley est trop pénible. Tu vas pleurer. C'est le bureau parfait. Juste à côté des classeurs. Prends un classeur et découpe la couverture arrière. Mets de la colle sur le classeur. Il faut bien tout recouvrir, de haut en bas. Pose le classeur sur la tranche et colle-y un autre classeur à moitié découpé. Refais la même chose avec d'autres classeurs. Ensuite, colle un autre classeur avec un seul côté découpé. C'est une super idée! Ma petite réserve de maquillage secrète! Tout ce qu'il me faut est ici. Il suffisait d'un peu d'imagination. J'étais obligée de m'asseoir là. Il faut que je sois jolie en cours. Et maintenant, c'est le cas. Mais non! Comment t'as fait? Jalouse? Oh non! C'est du maquillage? Où sont mes lunettes? Ah! Je cherchais ce stylo! J'ai cru que... Oublie. J'adore cette ombre à paupières. Elle est trop chou! Oh! Qu'est-ce que j'ai sommeil? Il faut que je sorte mes affaires. Ah! Salut! Ah! Je t'ai prise pour un fantôme?
très drôle. Non, mais tu es tellement blanche. Je m'en moque. Je suis trop fatiguée, là. Je devrais peut-être l'aider. Il y a bien un truc là-dedans qui pourrait lui être utile. Ah, ça va être parfait. Oh, regarde-la. Hé, réveille-toi. Qu'est-ce qu'il y a encore? Prends ça. De la colle? Dis donc, tu es trop gentille. Mets-en dans ta main. Ok, mais je sais à quoi ça ressemble de la colle. Hein? Qu'est-ce qu'il se passe? C'est du maquillage? C'est quoi cette sorcellerie? Tiens, prends ça. Avec ça, tu auras l'air un peu plus humaine. D'accord, mais tu m'as perdue, là. Prends un flacon de colle vide, nettoie-le et enlève le bouchon. Prends ton fond de teint préféré et remplis le flacon avec. Ensuite, referme le bouchon. Un fond de teint de secours. Oh, je comprends mieux. Merci. Avec plaisir. C'est beaucoup mieux. Je ressemble à quoi? Tu es très belle. Tiens. Hé, hey, c'est quoi ce prospectus? Oh là là, un concours de danse? J'ai super hâte d'y être. Je dois me préparer. Qu'est-ce que tu regardes? Un concours de danse, tu dis? Ouais, ça me plaît. Tiens, prends mon téléphone. Allez, filme-moi. Bon, je suppose que je peux faire ça. C'est le moment de montrer tous mes talents de danseuse. 1, 2, 3, your attention's all I need. 4, 5, 6, don't let it slip. At 24-7, all I do is procrastinate. Hé, hey, qui a mis ça là? Ça me dérange dans ma danse. Et maintenant, la pause finale. J'espère pour toi que tu as bien capturé tous mes pas, Jennifer. Ouais, d'accord. Ça me paraît plutôt bien. Hé, Annie, tu me filmes moi maintenant? Tu veux que moi, je te filme? Jamais de la vie. Oh, salut David. Salut Annie, tu vas filmer Jennifer? Oh, oui. J'attends juste qu'elle me donne son téléphone. Ok, Jen. Donne-moi ça pour que je puisse te filmer. Qu'on en finisse. Oh, c'est ennuyant à mourir. Je suis déjà... Oh! Quoi? C'est quoi ce délire? Phew! Merci de me filmer, Annie. C'était trop bien. Je ne peux pas la laisser envoyer ça. Oupsie! J'ai fait tomber ton téléphone. Je suis trop désolée, Jen. Il m'a glissé des mains. Oh, c'est la sonnerie. Je dois aller en cours. À plus tard, je suppose. Oh, j'espère que mon portable n'a rien. Non, 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 non! L'écran est complètement cassé. Mince alors. Cette journée est complètement fichue. Oh, j'adore tellement cette chanson. Je peux même chanter encore plus fort avec le bruit du sèche-cheveux. Tu sais quoi? Ça me donne aussi envie de danser. Ouais, pile comme ça. C'est ça, je suis... Oh, Annie, je ne t'avais pas vue arriver. Pourquoi est-ce que tu te dandines en peignoir dans le salon? Tu avais dit que tu repasserais mes vêtements, alors il est temps de t'y mettre. Je suis sûre que tu peux te débrouiller avec une tâche si facile. Oh, Annie est vraiment horrible parfois. Et après, je fais ce pas. Phew, j'ai failli arriver en retard pour le concours de danse. Je n'ai pas eu le temps de me changer. Je vais devoir le faire ici. Heureusement que j'ai été assez maligne pour prendre cette beauté avec moi. Non, 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 non! Quoi? Comment est-ce que tous ces trous sont apparus? Oh, Jen! Qu'est-ce qui est arrivé à ta robe? Comment est-ce que ces ciseaux se sont retrouvés là?
Oh zut! Ça doit être vraiment dur pour toi. Mais pour assurer ma victoire, c'était une bonne décision de détruire sa robe. Ok, j'y vais. C'est le moment de gagner un prix et de devenir célèbre. Qu'est-ce que je vais faire? Attends, peut-être que les ciseaux peuvent aussi tout réparer? Ok, Jen, donne tout dans ta danse. Et maintenant, il est temps de frimer dans ma nouvelle tenue. Hein? Comment est-ce que Jen fait pour être si chanceuse? Et quand tu crois que j'ai fini, je vais leur donner un peu de ça. Oh mon Dieu! Tout ce public m'applaudit! Oh, je n'y crois pas! Comment Jen a fait pour être si forte? Oh, cette chanson me donne la pêche aujourd'hui. Je me sens tellement bien qu'elle me donne envie de danser. Quoi? C'est Jen? Waouh! Regarde comme elle danse! Elle est incroyable! Je vais lui demander! Oh! Aïe! Ma tête! Et ma fierté! Oh non! David, tu vas bien? Tu sais quel jour on est? Et tu te rappelles de ton nom? Je t'ai vu danser. Tu étais incroyable. Je n'arrivais pas à te quitter des yeux. Jen, m'accorderiez-vous une danse? Quel est ton style de danse préféré? Dis-nous dans les commentaires et n'oublie pas de partager cette vidéo avec tes amis et de t'abonner à la page de notre chaîne pour voir d'autres vidéos géniales comme celle-là. Je dois y aller! Tu m'attraperas pas! C'est ce qu'on va voir! Tu as de gros ennuis! Je vais me cacher derrière cette plante! Ne faites pas de bruit, ok les gars? On va vous sortir de ce sac. Oh, vous êtes tellement adorables! Hein? Oh, il est à mes trousses! Où est-ce qu'elle est passée? Oh, à quoi bon? J'ai mieux à faire! Une seconde! C'est une Pokéball? D'où est-ce que ça sort? Waouh! Je ne m'attendais pas à ça! Un instant, il y a une pancarte! Impossible, j'en reviens pas! Pikachu vit ici? Oh, tu dois être la nouvelle nounou! T'arrives juste à temps! Je pense qu'il y a eu une erreur! Quel sens de l'humour, à tout à l'heure! Qu'est-ce qui se passe? Salut petit! Bonjour, comment ça va? À quel point ça pourrait être difficile? Je ne veux pas de situation bizarre! Ouais, c'est un peu mon truc! À plus! Hein? Où est-ce qu'il est passé? Hé, hey, reviens ici! Est-ce que c'est un sorcier? Comment est-ce qu'il a fait? Es-tu en dessous? Sors, sors de ta cachette! Non, il n'est pas là. Ah ah! Non, toujours aucun signe de lui. Oh, des céréales! Toutes ces recherches me donnent faim. J'ai besoin d'un petit goûter. Et ceci fera l'affaire. Regardez-moi ça. Et voilà, ça ajoutera un peu de croustillant. J'en ai l'eau à la bouche. J'ai hâte de goûter. J'en ai vraiment besoin. Mmh, ça a l'air délicieux et c'est tout à moi. Bouh! Ah, ne fais pas ça! Détends-toi, c'était qu'une farce. Je sais, il est temps de s'amuser encore plus. Regardez ça, les gars. C'est notre secret, ok? Qu'est-ce que j'ai dit? T'es si ennuyeux. J'étais juste allée chercher un verre. Tu en veux? Ah! C'était pas cool du tout. T'as eu tellement peur. Oh, te voilà. Je pensais t'avoir perdu. J'ai besoin de ton aide. Oh,
Qu'est-ce que c'est? Une énorme bestiole effrayante! Ouah! Qui a peur maintenant? Enlève-moi ça! Faisons la fête! Mamma mia, quelle fête! J'adore cette chanson! Vous pouvez la mettre un peu en veilleuse? Ah, j'arrive pas à me concentrer! Hé, hey, regarde ça! Wouah, c'était génial! T'as vu ça? Je peux le faire toute la journée! Attention! Ok, c'est mon tour! Jetez un œil à ça! Coup fourré! What? Oh non! T'as pas fait ça! Ça suffit, j'ai besoin d'une pause! Ces enfants sont sauvages! Il me faut juste un peu de calme! Minute! Ce ballon me donne une idée! Oui, ça pourrait marcher! Ça va être bien! J'ai besoin de crème! C'est l'heure de la vengeance! Allons-y! Je vais faire couler la crème sur le ballon! J'en mets tout autour! Je vais le couvrir complètement! Je peux ensuite ajouter des vermicelles! Ça a l'air assez bon pour être mangé! J'espère qu'ils l'apprécieront! J'ai une surprise pour vous! Wow, ça a l'air tellement bon! N'oublions pas la bougie! Pourquoi ne pas la mettre sur le gâteau? Wow, tant de responsabilités! Et je vais reculer un peu! Encore quelques pas en arrière! C'est l'heure du gâteau! Bah! Il m'a eu! Ma moustache! Qu'est-ce qui s'est passé? Mario? C'est épineux! Il a l'air si jeune! Attendez, il y a une bestiole sur moi! Miam, cette fête est de plus en plus géniale! C'est frétillant! C'est tout ce que t'as? Oh, allez, c'est drôle! Vous avez l'air si bête! Ignorez-la! Ouais, elle n'arrivera pas à gâcher cette fête! Je dois y aller! Arrête de me fuir! Tu me donnes le vertige! Arrête-toi tout de suite! Il est temps d'aller au lit! Oh que non! Pikachu, sors! Je déteste quand il fait ça! Montre-toi, Pikachu! Non, non, tu me trouveras jamais! Ne bouge pas! Il est rapide, je le reconnais! Par ici! Trop lent! Je ne l'attraperai jamais! J'ai besoin d'aide! Bonjour, je veux une livraison spéciale! C'était rapide, apportez-le! C'est exactement ce dont j'ai besoin! Waouh, ça a l'air confortable! Alors, t'abandonnes? Hein, elle est partie? Une seconde! Ouah! Je me sens pas très bien! Je ne m'attendais pas à ça! Mais au moins, il dort! Je vais lui donner un oreiller! Il a l'air bien au chaud! Faites vos rêves! J'ai besoin d'un sommeil réparateur! Oh, quel bazar! Mais je vais tout nettoyer! Ça devrait pas prendre beaucoup de temps! Des bonbons, mes préférés! Tu te moques de moi? C'est pas possible, j'en reviens pas! Regarde-toi! C'est ça, vivre! Je suis tellement heureux en ce moment! Quelque chose ne va pas? J'en ai assez! Je ne ramasserai pas un autre déchet! Fais-le toi! Je dois juste prendre quelque chose dans mon sac! Oh, je cherchais la chose! Mais je n'ai pas besoin de toi pour l'instant! Ah ah! Le voici! Ça va tout arranger! Si tu fous le bazar, tu le nettoies! J'en ai fini avec ça! Oh, ils ont l'air délicieux! T'es à moi maintenant! Une seconde, qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal! Où est-ce que je vais? C'est vraiment bizarre! J'ai encore du mal à le maîtriser! Allons par là! Je peux pas contrôler mes jambes! C'est toi qui fais ça? Aura besoin d'un pinceau. Arrête, j'aime pas les tâches ménagères. Je suis allergique. C'est pas juste. Hein? Comment c'est arrivé là? C'est mon pire cauchemar. S'il te plaît, arrête ça. Il reste encore beaucoup à faire. Sacré coup de balai. Peut-être que ça te servira de leçon. La pièce est bien rangée. Bon travail. C'est fini? Je ne pense pas. Je veux du divertissement. Montre-moi comment tu danses. Non, tout sauf ça. Le rythme prend le dessus. Mes pieds n'en font qu'à leur tête. Waouh, il a des sacrés mouvements. Je suis impressionnée. Je savais même pas que je pouvais bouger comme ça.
Je suis née pour ça. Oh ouais, wouhou. Je commence à être dans le rythme. Oh, j'ai rangé la poupée. Tu peux arrêter maintenant. Tu plaisantes? J'adore ça. Au moins, il est heureux. Ouf, c'était épuisant. J'ai besoin d'un verre. Ah, rafraîchissant. Ça fait du bien. J'en ai plus besoin. Minute, je veux plus nettoyer. J'allais la mettre à la poubelle. Mais oui, c'est ça. Il y a une poubelle juste là. En plein dans le mille. Oh, je suis si fatiguée. Je ferais mieux de me brosser les dents. Il me faut ce dentifrice. Mon sourire doit être éblouissant. Je presse juste un peu. À la menthe, c'est beaucoup mieux. Je ferais mieux de me rincer. Une seconde, j'ai tellement de boutons. Je suis pas présentable. Qu'est-ce que je vais faire? Hé, hey, qu'est-ce qui se passe? Ça se voit pas? Regarde, c'est très grave. Assieds-toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Fais-moi confiance, c'est le moment de faire éclater ces boutons. Non, garde ça loin de moi, je plaisante pas. Ok, essayons quelque chose de plus industriel. Pas question. Waouh, tu veux mon aide? Je sais, ne bouge pas. Non, tu plaisantes. Attends, je sais. Je sais quoi faire. Tu ne veux quand même pas dire? Oui, c'est exactement ce dont nous avons besoin. Ça résoudra tout. Tout ce qu'il nous faut, ce sont des escargots. T'es pas sérieux, si? C'est une blague, hein? Ces petits bonshommes sont mignons. Et ils adorent les boutons. Non, non! Beurk! Ils sont si visqueux! Une minute, ça marche! C'est à couper le souffle! C'est trop cool! Pourquoi j'en ai pas entendu parler plus tôt? Mon travail ici est terminé. Je pense que nous les avons tous eus. Laisse-moi y jeter un œil. Ouah! Je suis un monstre! C'est ma petite blague. Oh, voilà qui est mieux. Ma peau est éclatante. Ouah, t'es la meilleure. Oh, t'es trop gentille. Oh, ok, on se fait des câlins maintenant. Je suis pas vraiment ce genre de personne. Laisse-toi aller. Merci beaucoup. Oh, tu te rappelles cette fille avec son affreux pull jaune? Beurk, il était vraiment horrible. Oh, excusez-moi, est-ce que je peux... Oh, ils ne m'ont sûrement pas vu. L'école est déjà assez difficile sans que tu aies, en plus, à t'inquiéter si les gens t'aiment ou pas. Oh, il faut que j'aille en classe. J'ai pas envie d'être en retard. Oh, 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 c'est pas vrai. Oh mince, désolée. T'es sérieuse, là? Oh! Oh! Oh non, mais regarde-moi ça! J'ai trempé! Oh! Tu viens de bousiller mon t-shirt préféré! Je suis désolée! Je vais vous laisser, ok? Non, mais sérieusement! Quelle idiote! Je vais lui donner une leçon! Je vais faire mes devoirs tout de suite pour ne pas oublier. Elle va être trempée. Carrément, ça lui apprendra. Ça va être marrant. Maintenant! Bien joué! C'était parfait! Mes devoirs sont fichus. Oh, je déteste que l'on ne m'aime pas. Oh, j'adore les sciences. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Pas de panique, c'est juste une fille. Oh, allez. Aujourd'hui, c'est le jour J. Je vais être courageux et dire à Wendy ce que je ressens. On prend une grande inspiration et on y va. Oh, oh, je l'ai touché. Wendy, désolée. Sally, je peux faire quelque chose pour toi? Eh bien, je voulais juste, tiens, cette fleur est pour toi. Quoi? C'est vrai? Oh,
fleur est pour moi? Vraiment? Merci beaucoup. De rien. J'ai tout de suite pensé à toi quand je l'ai vue. En plus, je sais que tu adores la botanique. Oh, c'est tellement mignon. Pas autant que toi. Attends, qu'est-ce qu'ils font les premiers de la classe, là? J'y crois pas. Wendy a eu une rose alors que je suis juste là. Non, ça c'est trop. Je ne peux même pas. Qu'est-ce que ça m'énerve? Attends voir, qu'est-ce que c'est que ça? Jetons un coup d'œil de plus près. Oh, un service de livraison de fleurs. Oh, ça pourrait être la solution à mon problème. C'est tellement intéressant. Toc toc, j'ai des fleurs pour une jeune femme chanceuse dans cette classe. Quoi? Waouh! Oui, je fais souvent cet effet-là. Quelqu'un dans cette classe va recevoir toutes ces belles roses. Faites que ce soit moi. Je sens qu'on va bien s'amuser. Ces fleurs sont pour Wendy. C'est moi. Quelle petite vénarde. Oui, ces fleurs sont pour vous. Tu ferais bien d'aller les chercher. D'accord. Voilà pour toi. Oh, merci. On ne m'avait jamais envoyé des fleurs avant. Oh, elles sentent si bon en plus. Quel parfum. Merci beaucoup. Oh, je ne fais que mon travail. Un pourboire, peut-être? Quoi? Quel pourboire? Eh bien, je ne suis que le livreur. Regardez, j'ai même une casquette. Bon, je peux avoir mon pourboire? Le livreur? Mais je croyais que vous m'offriez ces fleurs. Je ne fais que les emmener d'un point A à un point B. C'est tellement embarrassant. Pourquoi ce genre de choses m'arrive tout le temps? Je dois sûrement avoir un peu d'argent, quelque part. Laisse-moi regarder. Bon, ce n'est pas de l'argent, mais peut-être que ça fera l'affaire. Voilà pour vous, monsieur. Attendez, vous plaisantez? C'est quoi ça? Vous comptez me payer avec des boutons? Je suis désolée, je n'ai rien d'autre. Très bien, profitez de vos fleurs. Faut vraiment que je change de taf. Si c'était censé me faire plaisir, c'est tout le contraire. Oh, je n'ai même plus envie de ces fleurs maintenant. Oh, oh, si t'avais vu ta tête. Trop drôle. Hé, hey Mindy, est-ce que tu voudrais ces fleurs? Prends-les. Quoi? Tu veux me donner tes fleurs? Bien sûr. Oh, maintenant je me sens nulle d'avoir été méchante avec elle. Oh là là. Oh, désolée, Wendy. Ce n'est rien. Oh. Quelqu'un a vu ça? On en voit vraiment toutes les couleurs dans ce métier. Oh, vaut mieux être professionnel. Cette soirée va être géniale. Wow, regardez cette tenue. Wow, Mindy, t'es super jolie. Tu sais exactement comment t'habiller pour sortir. Même tes chaussures sont stylées. Une petite seconde. Tu ne peux pas entrer comme ça. Cette fête a un contrôle de taille. Un peu comme un parc d'attractions. Sauf que on ne veut pas que des enfants puissent entrer. Pour de vrai? Allez, viens. On va juste vérifier si tu es assez grande. Mets-toi devant le mur. Voyons voir. C'est une mesure assez fiable. C'est bon. Tu es assez grande. Ça ne fait aucun doute. Vas-y, entre. Tout le monde t'attend. Oh, salut, John. On se parle un peu plus tard, d'accord? Bonsoir. Oh, tu m'as fait une peur bleue. Waouh, tu peux vraiment te faufiler derrière quelqu'un. Voyons un peu de quoi tu as l'air. Est-ce que c'est une robe de soirée? Des chaussettes de soirée et des baskets. C'est joli, d'après toi? Franchement? Hé, hey John, viens voir ça, c'est dingue. Bon, approche pour que je vérifie ta taille. D'accord. Tu es bien loin du compte. Quoi? Mais, et la fête? Désolée, tu n'as qu'à trouver un autre endroit où faire la fête. Oh,
vous pourriez faire une exception pour moi? Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai du mal à entendre. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît! Non! J'ai été claire. Si je te dis que tu ne peux pas entrer, tu n'entres pas, d'accord? Dégage d'ici! Bon, c'est vrai que dit comme ça, vous faites peur. Bouge! Oh, non mais je vous jure! Puisque c'est comme ça, je m'en vais! C'est trop injuste! Je ne voulais même pas aller à cette stupide fête de toute façon! Je suis sûre que c'est plein de gens méchants comme elle! Elle est trop méchante! Mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Il doit bien y avoir quelque chose que je peux faire! Hé, attends une minute! Je crois que j'ai une idée! Oui, je suis sûre que ça va marcher! Je vais enlever mes chaussures juste ici! Ensuite, je vais enrouler ma chaussette et la retirer complètement! Il faut que je continue de l'enrouler! Encore et encore jusqu'au bout! Il faut qu'elle ressemble à un donut! Et voilà, maintenant ma chaussette est compacte! Je vais la mettre dans le talon de ma chaussure. Et enfin, je n'ai plus qu'à remettre ma chaussure. Et voilà! Voyons voir! Oh, ça change tout! C'était une super idée! Les chaussettes dans mes chaussures me font paraître plus grande. Allons-y! Je peux entrer, s'il vous plaît? Encore toi? Je t'ai déjà dit de partir! Attendez! Mesurez-moi, s'il vous plaît! Oh, bon, d'accord! Mais ça ne fera aucune différence. Mais bon, comme tu veux. Oh. Regarde, tu as exactement la même taille qu'avant. Hein? Tu es plus grande? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que... C'est vraiment bizarre. Les règles sont les règles. D'accord, tu peux entrer. Oui, youpi! Que la fête commence! Allez, entre, j'y comprends rien. Comment est-ce qu'elle a grandi aussi vite? Elle doit avoir de bons gènes. À toutes, Mindy, ciao! Hé, Mindy, est-ce que je peux m'asseoir avec toi? Fais gaffe, Lantello! Oh! Oh non! Mes lunettes! Je n'y vois rien sans elles! Où est-ce qu'elles sont? Elles doivent bien être quelque part! Non! C'est pas bon, ça! Faites que ce soit pas mes lunettes! Mes lunettes! Je les ai entendues craquer! Oh non! Les verres sont brisés! Comment je vais faire maintenant? Pourquoi? Mes pauvres lunettes! Oh, c'est pas vrai! Pourquoi tu pleures? Regarde! Mes lunettes sont foutues! Oh oui, je vois. C'est vrai que ça craint. Eh bien, parfois, les choses tournent vraiment mal. Oui! Mais j'ai l'impression que c'est toujours à moi que ça arrive! Attends une minute! Hé! Je crois que j'ai une idée! Wendy, je vais arranger le problème! Quoi? Mais comment? Tout d'abord, nous allons avoir besoin de couverts en plastique. Et, bien sûr, un sèche-cheveux réglé sur chaud. Utilisons le sèche-cheveux pour chauffer le couteau en plastique, comme ça. Une fois qu'il est chaud, il est plus souple. Regarde, ça ne casse pas. Et une fois que le couteau aura refroidi, il gardera cette forme. Ensuite, nous allons avoir besoin d'un pistolet à colle. Je vais appliquer une petite quantité de colle à l'extrémité du couteau, juste ici. Ça devrait suffire. N'oublie pas de faire la même chose de l'autre côté. Maintenant, on va juste coller les deux moitiés ensemble, comme ça. Une fois la colle sèche, elles ne formeront plus qu'un. Regarde, on a fabriqué une paire de lunettes avec des couteaux en plastique. Tiens, Wendy. Bon, elles ne sont pas à ta vue, mais... Ça ne coûte rien d'essayer. Bon, bon, d'accord. Ok, je vais les essayer. De toute façon, ça ne peut pas être pire. Oh, waouh! C'est bizarre, mais je me sens beaucoup mieux avec ces lunettes sur le nez. De quoi j'ai l'air? Waouh!
Franchement, elles te vont super bien. Écoute ça, Wendy. Quoi? Eh bien, il est temps de se mettre au travail. C'est l'heure du relooking. La première chose à faire, c'est d'enlever cette tenue. Waouh! C'est mieux! Oh, le rose, c'est vraiment ta couleur. J'adore ça! Waouh, Mindy, c'est incroyable! Je me sens comme une personne différente. Il est temps que je fasse ceci. J'ai toujours voulu faire cette danse avec les filles populaires. Waouh, Wendy, tu connais tous les mouvements et les temps. Je me suis entraînée à la maison devant mon miroir. Et la pause finale? On l'a fait, Mindy, on l'a fait, on a réussi! Oh, désolée, je me suis un peu emportée. Trop chelou. Oh, est-ce que j'ai dit quelque chose? Bon, au moins, j'ai ces super lunettes. Oh, trop beau. J'adore cette couleur. C'est tellement naturel. Je dois m'assurer que je suis bien maquillée. Attends, qu'est-ce que c'est que ça? Oh! Mon Dieu, c'est Wendy! Oh, elle ressemble à un cadavre! Oh, ça craint! Est-ce que tu te sens bien? Je devrais appeler une ambulance ou les pompes funèbres. Je n'ai jamais vu cette couleur de peau sur une personne vivante avant. Oh! Salut, Mindy! Ça fait plaisir de te voir. Ouais. Je t'en supplie, ne bois pas mon sang. Je t'ai dit bonjour. Quelque chose ne va pas? Tu plaisantes, Wendy? T'as vu ta tête? Prépare-toi avant, quand même. Je t'aurais prévenu. Oh, et ne casse pas le miroir. Oh non! Pourquoi ma peau est comme ça? Tu as raison. Ma peau est toute pâle. Regarde ça! Est-ce que j'ai toujours été si pâle? J'avais jamais remarqué avant! Oui. Malheureusement, oui. C'est la vie. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir un joli teint. Oh, mais c'est ton jour de chance! Parce que je peux t'aider. Je sais ce qu'on va faire. Tu vas voir. Tu vas être superbe. J'ai juste besoin de mes outils de travail. Je pense que j'ai tout. Je vais avoir besoin de cette huile pour bébé et de ce maquillage. Et puis j'aurai besoin de ce bâton aussi. Tout d'abord, je vais devoir gratter un peu de ce maquillage avec le bâton. Je peux en faire une poudre. Il est temps de passer à l'étape suivante. Il est temps pour l'huile de révéler ses pouvoirs. On retire le bouchon de la bouteille et on approche la poudre. Avec le bâton, on verse un peu de poudre dans la bouteille d'huile. Regarde ça! On remet le bouchon en place. On s'assure qu'il est bien fermé. Puis, on secoue la bouteille. Regarde, l'huile pour bébé a changé de couleur. C'est joli! Hé, Wendy, regarde le résultat. Tu es impressionnée, hein? Cette petite bouteille est la solution à nos problèmes. Grâce à ça, on va régler ton problème de pâleur. Tiens! Tu es sûre que ça va marcher? Oh, fais-moi confiance. Mets-en un peu sur ta peau et tu seras magnifique. Bon, après tout, ça ne coûte rien d'essayer. Vas-y, je vais en prendre un petit peu pour commencer. Je vais en verser dans ma main. Oups, pas trop. Ah, ok. Et je suppose que la prochaine étape est de vraiment l'essayer, hein? Oh. Allez, c'est parti! Je n'ai rien à perdre. Je vais l'étaler sur mes joues. Waouh! Ma peau est toute douce! Oh. Je vais aussi en mettre sur mon bras. Attends, il ne faut pas que j'oublie que j'en ai deux. Ça aurait été bizarre. J'en étale bien partout. Waouh! Je n'en reviens pas!
Ça marche vraiment! Oh, j'ai déjà l'air moins pâle! C'est comme si je rajeunissais! Oh, c'est incroyable! Oh, tu avais raison, Mindy! C'est beaucoup mieux! Oh! Tu brilles tellement! Oh! Mes yeux! Ma peau est absolument radieuse! Je l'adore! C'est l'heure de s'instruire! Oh! Oh mon Dieu! On dirait qu'il y a littéralement un soleil dans ma classe! Oh! J'ai besoin de mes lunettes de soleil! D'accord, bande de petits monstres! Hé! Hey, qu'est-ce qui se passe? Attends, quelqu'un m'appelle! Je travaille, maman! Oh, quel téléphone stupide! Ah ah! Je vais le mettre ici! Je n'aurai plus d'interruption! Qu'est-ce que... Ah! C'est drôle! C'est une blague! C'est tellement énervant! Et embarrassant! Oh oh! Il est fâché! Ah! Cette classe est la pire! Eh bien, bonjour! Waouh! Tellement stylé! J'ai bien pratiqué! Quelqu'un a besoin d'un téléphone? Choisissez! Ils sont tous là! Waouh! C'est excitant! Heureuse de pouvoir aider! C'est mon jour de chance! Merci! De rien! Mouah! C'est l'heure de la sieste! Hé! Hey, réveille-toi! Qu'est-ce qui se passe? D'accord, on peut commencer! Attendez! Qu'est-ce qu'il a dit? Les cours sont ennuyeux. Qu'on en finisse avec ça. Faites attention tout le monde, c'est compliqué. Qui pense pouvoir y répondre? Oh, des bonbons! Ma friandise préférée. Ils sont un peu acides. Ils piquent la langue. Mais j'aime ça. D'accord, retournons au travail. Ah. Hazel! Qu'est-ce que vous voulez? J'ai quelque chose pour toi. Prends tous ces livres. Pour moi? Merci. Ils feront un superbe oreiller. Oh, vraiment? Hein? Où est passé mon oreiller? Interdit de dormir? Mais voyons! Bof, il a l'air heureux. Oh, des bonbons! Le sujet d'aujourd'hui est les maths. Oh, ma gorge est si sèche. Est-ce que tu vas bien? J'ai besoin d'une boisson. Peut-être que ça fera l'affaire. Merci, c'est exactement ce dont j'ai besoin. J'espère que tu aimeras. Tu le mérites. Ah, ça fait du bien. Mais maintenant j'ai faim. J'avais prévu ça. De quoi vous parlez? Vraiment, des bonbons? C'est génial. Tu n'as qu'à te détendre. Vous savez, j'adore ce cours. Je pourrais m'y habituer. C'est assez facile, vraiment. Qu'est-ce qui ne va pas? Les chiffres me font mal à la tête. Tu as raison. Plus de maths pour aujourd'hui. Qui en a besoin de toute façon? J'ai une meilleure idée. Et tu vas l'adorer. Jeux vidéo. Ouais! Voilà qui est intéressant. J'aime le jeu Fortnite. Et Roblox. Waouh! C'est quoi ton... Oh, il dort. Faisons en sorte qu'il soit à l'aise. Il y a un trou dans l'oreiller. Qu'est-ce que je vais faire? Attendez. J'ai une idée. J'ai juste besoin de mon agrafeuse. Je vais faire quelques ajustements rapides. Ça devrait aller. Ça a l'air cosy. Mais je peux encore l'améliorer. J'aurai besoin de ça. Et d'un tuba. C'est parfait. Ça l'aidera à dormir. J'ai fait ça pour toi. Essayons-le. Ne fais pas attention à moi. Je vais le mettre ici. Je lui donne un A. Oh, c'est doux. C'est génial. C'est quoi cette odeur? C'est doux, délicieux et succulent. Ne me regardez pas, je ne sais pas de quoi vous parlez. C'est du chocolat. Ça suffit. Tu connais les règles. Debout. Je dois le faire? C'est humiliant. Tu sais quoi faire. C'est vraiment nécessaire? Je le savais. Tellement de chocolat. Attends, il y en a encore plus. D'accord, je vais le faire. Mais c'est une perte de temps. Comment c'est arrivé là? Je suis déçue. Comment tu as pu? Il y en a tellement. Mais j'ai tout trouvé. Attends. Je peux encore le sentir. Il y en a plus. Voyons voir. Attends juste là.
Je trouverai cette friandise. Ah ah, je l'ai! Il n'y a pas d'échappatoire. Je trouverai tout. Qu'est-ce qu'il y a là? Une autre barre de chocolat? J'ai repéré l'odeur. Salut, toi! Remarquable! J'admire ton engagement, mais je suis trop bon. Quoi? C'est étrange! C'est un cafard! Ah! Éloignez-le de moi! C'est quoi son problème? C'est l'heure de la collation? Délicieux! J'ai tellement faim! Nourrissez-moi! Je suis en train de dépérir! C'est l'heure d'une autre leçon amusante! Attends! Peut-être que ceux-ci pourront t'aider? Délicieuse friandise! C'est pour toi! Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes sérieuse? Merci, professeur! Je fais juste mon travail! C'est pour ça que j'enseigne! Bon! C'est génial! Oh, j'aime bien celui-ci! Je les veux tous! Ils sont tellement bons! Il y a un si grand choix! Oh, ne fais pas ça! Ah, j'ai trop mangé! Je n'ai plus besoin de ça! Mets-les à la poubelle! J'ai besoin d'une boisson! Ma gorge est sèche! Tiens! Waouh, un soda! Vous êtes la meilleure! Je suppose que je le suis! Ah, rafraîchissant! Qu'est-ce que tu fais? Je vais vomir! Oh. Ah! Arrête! Arrête, s'il te plaît! Oh, tu te sens mieux? Je suis contente que ce soit fini! Ouf! Tout va bien ici, Dirk! D'accord, la classe, c'est l'heure de l'examen! Qui pense pouvoir faire ça? Des volontaires? Attendez, qu'est-ce qu'il a dit? Je peux le faire, je ne vous décevrai pas! C'est tellement excitant! Tu es vraiment une nerd! Mais fière de l'être! Ça devrait être facile! Je m'en tire super bien! Attends une seconde! Je n'y crois pas! J'ai fini! C'était rapide! Très bien, je suppose! Oh, je reviens tout de suite! J'ai fait des devoirs supplémentaires! Je pense que vous serez impressionnés! Si je te donne un A, tu me laisses tranquille! S'il te plaît! Je t'en supplie! Peut-être! Oh, pourquoi je suis devenue un prof? Attends! Ce n'est pas correct! Ça ne peut signifier qu'une chose! Reste là où tu es! Cette journée vient de devenir intéressante! Youpi! Quelque chose qui ne va pas! J'attends ça depuis si longtemps! Non, qu'on en parle! Tu obtiens un B! Moi! Non, ce n'est pas possible! Nana! Loser! Je suis un professeur heureux! C'était méchant! Voici la première addition, classe. Nous commencerons par une facile. Qui peut résoudre ça? Oh oh! Elle me regarde! Est-ce que je dois le faire? C'est tellement injuste! Tu es capable! Je crois en toi! Vraiment? C'est deux! Comment? Oh, d'accord! Qu'est-ce que je ferais sans toi? Quoi? Non, arrête! La réponse est deux! Ah, je comprends maintenant! Ne bougez pas! Quel idiot! Laisse-moi te montrer! Ok! Est-ce que c'est plus clair? Ça a l'air génial! Tu veux que j'utilise deux stylos? Pas de problème! Je peux le faire! Oh, j'abandonne! Hein? Je suis tellement confuse! Pas autant que moi! Bouge! Essayons encore une fois! Je ne sais pas! Fais-moi confiance! Je vais t'aider! Nous allons écrire un 2! Voilà, tu l'as fait! Bravo! Tu obtiens un A moins! Vraiment? Je ne pense pas! Laissez-moi vous aider! Eh bien, je suppose que tu as raison! Ouais! Je suis un génie! Oh ouais! Oups! Cela ne s'est jamais produit!